possible, c'est normal que je sois connecté automatiquement sur Live Sharp sur la tablette. Ah oui, parce qu'en fait, il y a le Wi-Fi de la box, ça paraît. Oui, mais il y a après il y a l'accès.
pas de bug technique. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, je vais vous demander de prendre place, de vous installer dans la salle. Nous allons commencer d'ici quelques minutes. Alors, évidemment, recommandation d'usage. Merci à toutes et tous de penser à envoyer vos téléphones faire un petit tour en mode avion ou en tout cas couper le son, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, hein. Complètement de façon aléatoire.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ici pour cette nouvelle édition de Ma thèse en 180 secondes, cette fabuleuse aventure de vulgarisation de la science et de promotion de la recherche. C'est donc jour de finale aujourd'hui, et c'est pas rien. Dans quelques minutes, les 15 candidates et candidats qui se sont lancés le défi, et c'est pas une mince affaire, croyez-moi, de rendre l'intérêt de leurs travaux de recherche accessible à tous et à vous toutes et tous, eh bien, ils vont se succéder ici devant nous. Alors, je vais prendre un petit peu de temps avant cela, parce que moi, j'ai la chance d'avoir un peu plus de temps que vous, oui, et je vais profiter de ce privilège pour vous présenter comment va se dérouler cette épreuve aujourd'hui, également vous présenter le jury et les critères que ses membres vont devoir juger aujourd'hui. Mais avant cela encore, en préambule, je voudrais laisser la parole à des personnalités du monde de la recherche et à celui qui nous accueille ici à l'URCA, le premier vice-président de l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Merci d'accueillir monsieur Christophe Clément. Ça marche ? Ah oui, ça marche. Bien, bonjour à tous. Alors, pour vous saluer, on est obligé d'utiliser le protocole. Donc, un petit peu de protocole avant de commencer. Madame la vice-présidente du Grand Reims et en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, ma chère Patricia. Madame la rectrice, elle n'est pas là. Chers membres du jury, mesdames les directrices, messieurs les directeurs d'unités de recherche qui sont là, mesdames les directrices, messieurs les directeurs des écoles doctorales, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers élèves, chères étudiantes, chers étudiants, et surtout, chères doctorantes et chers doctorants, je dois tout d'abord, et je tiens à excuser notre président Guillaume Jollet, qui cet après-midi est retenu au CA du CNRS et qui aurait bien aimé être là, et qui essaiera d'être là pour la remise des prix, mais qui ne promet rien. Et donc c'est moi qui ai l'honneur, le privilège et le plaisir donc, d'ouvrir cette journée, cet après-midi, ma thèse en 180 secondes. Donc c'est avec une immense fierté et un profond sentiment de reconnaissance envers notre communauté académique et scientifique donc, que je prends la parole pour ouvrir cette finale territoriale du concours ma thèse en 180 secondes. Cet événement, depuis plusieurs années, cher à nos établissements et à notre territoire, représente bien plus qu'une simple compétition. En fait, il incarne un moment phare, fédérateur et fondamental pour l'enseignement supérieur et la recherche de notre région, impliquant la participation active des doctorants issus de l'URCA et de l'UTT, les forces vives de la région Champagne-Ardennes pour la recherche et les forces vives du réseau d'enseignement supérieur et de recherche de tout notre territoire Champagne-Ardennes. Alors ma thèse en 180 secondes, c'est quoi ? C'est pas simplement un concours, c'est une aventure humaine et intellectuelle hors du commun. Vous allez le voir, elle offre à nos doctorants la formidable opportunité de sortir des laboratoires pour faire un peu autre chose et surtout pour venir partager avec nous leurs travaux de recherche et nous expliquer de quoi ils retournent précisément. En 3 minutes, ils arrivent à relever le défi de nous rendre intelligibles des mois, voire des années de recherche, d'efforts et de doutes, mais aussi et surtout de passion pour leur sujet de recherche. Cette finale est en fait le reflet de la diversité et de l'excellence de la recherche menée au sein de nos établissements URCA et UTT. C'est un moment privilégié où la passion, la curiosité et l'engagement de nos jeunes chercheurs se rencontrent et s'expriment dans cet amphithéâtre transformé pour l'occasion en véritable scène de spectacle, vous verrez tout à l'heure. C'est également cette opération, ma thèse en 180 secondes, une précieuse occasion d'ouverture où notre communauté scientifique universitaire accueille la cité, accueille le monde non académique avec fierté et bienveillance. Aujourd'hui, plus que jamais, le lien entre science et société est vital pour le futur de notre société et ma thèse en 180 secondes représente, contribue puissamment à le renforcer en favorisant les rencontres humaines et scientifiques et en suscitant la curiosité et l'échange. Ma thèse en 180 secondes, ce n'est pas qu'un défi de communication, c'est aussi un enjeu pédagogique majeur pour notre établissement. Les compétences de vulgarisation scientifique que nos doctorants développent au cours de cette aventure sont essentielles, vous allez le voir, non seulement pour leur parcours académique, mais aussi plus tard pour leur parcours professionnel en dehors de l'université. Cet après-midi, nous allons découvrir des présentations qui, comme toujours, j'en suis sûr, vont nous émerveiller, nous questionner et peut-être même changer notre regard sur certains aspects
du monde qui nous entoure. Ces jeunes chercheurs viennent de disciplines variées avec générosité et ils partagent tous le même engagement, contribuer à l'avancement de notre connaissance et au travers ces connaissances, finalement, participer, contribuer au bien-être et au développement de notre société. L'édition de cette année sera en outre largement diffusée sur les réseaux sociaux, ce qui offre un coup de projecteur sans précédent sur nos travaux de recherche au sein de nos deux universités. Donc c'est une portée unique de mettre en lumière l'innovation et les réponses que notre recherche peut apporter aux défis sociétaux actuels et futurs qui sont nombreux. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus que ça parce que je pense que j'ai dépassé les 180 secondes déjà, mais je voudrais adresser malgré tout certains remerciements. Alors tout d'abord aux membres du jury qui ont accepté de faire le travail et de venir auditionner, évaluer et puis rendre le verdict à la fin, ce qui ne sera pas le plus facile. Remercier les gens sans qui on ne pourrait pas avoir cette journée, c'est-à-dire les gens de l'audiovisuel, donc la PIPA de notre service du numérique, la coordination des écoles doctorales qui a fait un énorme travail aussi bien dans la préparation des étudiants que dans l'organisation de la journée, et puis également la communication qui est là toujours sur ce type d'opération. Et puis surtout, et tous, est le reflet de notre engagement commun pour la science. Merci de votre attention. Merci Christophe Clément, premier vice-président de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. J'invite à présent Emmanuelle Rouault, enseignante-chercheuse et directrice adjointe de l'EDSPI à l'Université technologique de Troyes. Merci d'accueillir Emmanuelle Rouault. Bien, bonjour à tous et merci à Christophe Clément pour son discours et son introduction, en particulier pour le protocole. Donc, mesdames, messieurs, alors on m'a dit que j'avais 120 secondes, c'est pour ne pas faire de l'ombre aux doctorants, donc ça m'arrange bien et je vais essayer de respecter ce temps. Donc, tout d'abord, je voulais remercier l'URCA au nom de l'UTT et au nom de l'école doctorale. Merci pour l'accueil d'aujourd'hui, merci pour toute l'organisation. Et merci aussi pour les formations organisées dans nos locaux à Troyes. Donc, merci vraiment à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Alors, je souhaite aussi remercier tous les partenaires de cet événement, et en particulier pour la participation et le financement. Merci à tous d'être aujourd'hui présents, en particulier merci aux lycéens. Vous êtes venus de Troyes. Et je pense que vous n'allez pas être déçus par ce que vous allez voir et peut-être que ça va susciter chez vous une vocation. Alors maintenant, par rapport au concours, j'ai toujours pensé que la seule compétition qui existe, c'était une compétition contre soi-même. Alors NT180, c'est avant tout une compétition contre soi-même parce que c'est un exercice difficile et ça permet de se dépasser. Vous avez une formation, vous avez appris à communiquer un peu mieux qu'avant, vous avez appris à synthétiser vos travaux et vous allez pouvoir vous adresser à tout un tas de publics différents. Donc en participant à MT180, vous nous permettez aussi de rendre visible la recherche qui est faite dans les établissements et au-delà de défendre et de présenter ce métier passionnant qui est le métier de chercheur. Donc, je souhaite vous remercier. Je tiens aussi et tous à vous féliciter, déjà, pour ce concours. En participant, vous avez déjà, pour moi, un peu gagné. Merci. Merci, Madame Rouault. Je vous laisse reprendre votre place au sein du jury que je présenterai dans quelques instants. Je voulais vous remercier aussi à vous d'être venus nombreux aujourd'hui, donc toutes et tous qui êtes ici dans cette salle, dans cet amphi 10 du campus Croix-Rouge de Reims. Je voudrais saluer les lycéens du lycée Arago de Reims qui sont là. Voilà. Et puis alors de l'autre côté de l'amphi, là sont les Troyens du lycée Chrétien et Lombard. Est-ce que vous êtes là vous aussi ? Oui !
Reims 3, le match s'engage. À vous de voir après comment vous serez en forme pour supporter, encourager tous nos doctorants aujourd'hui. Et puis, je voulais également vous dire merci à vous qui nous suivez cet après-midi depuis la chaîne YouTube de l'URCA. Vous êtes peut-être dans des labos, vous êtes peut-être dans des salles de classe, dans des lycées ou chez vous, tout simplement, curieux de découvrir les univers de nos doctorants. Donc, bienvenue à vous pour cette finale territoriale. Voilà, donc nous allons bientôt accueillir ces femmes et ces hommes qui cherchent, donc. Ah oui, mais que cherchent-ils? Comment s'y prennent-ils? Pourquoi, hein? Dans quel but? Eh bien, aujourd'hui, ils sont là pour répondre à tout cela, pour se faire comprendre par vous qui ne connaissez rien du tout, peut-être, à leurs travaux de recherche. Et croyez-moi, j'espère qu'ils y parviendront, parce qu'à la lecture de leur intitulé de thèse, il faut parfois vraiment s'accrocher pour imaginer ce qu'ils peuvent bien chercher derrière tout ça. Et bien, c'est tout l'objectif de ma thèse en 180 secondes. Donc, ils vont vous ouvrir la porte de leur laboratoire. Et puis, nous, on va pouvoir y passer une petite tête et découvrir ce qu'ils y font et tout comprendre. J'espère, en tout cas, ce sera à vous de juger, ici dans la salle tout à l'heure. Ce sera au jury également de juger s'ils y parviennent ou pas. En tout cas, je voulais préciser qu'ils ont fourni des efforts incroyables pour pouvoir synthétiser des années de travail en 3 minutes. Donc, je voudrais quand même que vous gardiez en tête cet après-midi quelque chose de très important, c'est que ce ne sont pas des comédiens, hein, ils ne connaissent rien à la scène, leur métier, ce n'est pas le stand-up, il y en a, ils n'ont jamais foulé une scène avant donc, de s'entraîner ici et encore moins aujourd'hui devant vous. Donc, j'aimerais que tous ici, dans cet amphi, vous fassiez comprendre à nos candidats aujourd'hui qu'au-delà d'être venus les écouter et de découvrir leurs univers de recherche, eh bien, vous êtes là aussi pour les soutenir, pour les encourager, parce que ce n'est pas facile pour eux. Croyez-moi, ils n'en mènent pas large. Alors allez-y, donnez tout ce que vous avez. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui. Voilà. Donc je compte sur ce même niveau d'énergie à chaque fois que j'inviterai une doctorante ou un doctorant à venir sur scène. Je compte sur vous vraiment pour les encourager. On s'amusera aussi avec la science cet après-midi lors d'un entracte, mais ça, je ne vous en dis pas plus. C'est une petite surprise. Je voudrais maintenant vous présenter le jury de ma thèse en 180 secondes, cette édition 2024. Gérard Marie, président d'Acoustica, association qui vulgarise la science et qui assure la promotion. Géraldine Taillandier, directrice générale Syntex Culture Numérique à Reims. Dominique Roux, professeure des universités et directrice du laboratoire à l'URCA. Emmanuelle Rouault, que vous avez découvert, donc enseignante-chercheuse et directrice adjointe de l'EDSPI à l'UTT. Et puis Julien Berthe, doctorant. Julien Berthe, doctorant au sein du laboratoire Gégena à l'URCA et finaliste national de ma thèse en 180 secondes en 2022. Vous voyez, il est donc passé du côté obscur de la force aujourd'hui pour intégrer le jury. Voilà donc. Alors, je voulais peut-être, Gérard Marie, que vous nous expliquiez en deux mots comment vous allez juger les prestations et quelle est votre grille de critères. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Vous avez un micro derrière vous, Gérard Marie. Merci. Oui. Alors, d'abord une chose, on est dans un concours national, on vous l'avait dit, et même international, puisqu'il y a une finale internationale francophone. Oui. On est dans un concours national et tous les candidats, tous les doctorants candidats à ce concours sont jugés selon les mêmes critères sur l'ensemble du territoire. C'est important à signaler. Il y a deux volets, deux critères importants qui sont à égalité. En premier lieu, le talent d'orateur et la médiation. Je ne dis pas en premier lieu, en deuxième lieu, parce que, encore une fois, c'est sur le même plan. En aucune façon, par contre, on ne juge la qualité du travail de recherche. Ça, ce n'est pas notre travail et on en serait bien incapable. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, on vous en parle. Pardon. Voilà, merci. Ah. En aucun cas, donc, on ne juge le travail de recherche, on en serait bien incapable. Dans les talents d'orateur, qu'est-ce qu'on place? C'est assez facile à comprendre. Hein. La justesse de ton, la présence sur scène, encore une fois, avec des gens qui ne sont pas des professionnels, qui n'ont pas forcément fait du théâtre dans leur vie, en tout cas, ce n'est pas leur métier. L'utilisation, le langage utilisé, éventuellement l'humour, c'est à mon avis important de le dire.
Et puis le deuxième volet, c'est la médiation. La médiation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la capacité à faire comprendre un sujet qui est parfois très complexe, extrêmement complexe, compréhensible que par des spécialistes très pointus, et c'est de mettre ce sujet-là au niveau d'une compréhension générale. Alors, et de le faire comprendre par des gens qui ne sont justement pas du tout des spécialistes de la question. J'ajouterais que, et ça a été dit d'ailleurs par notre collègue de l'UTT tout à l'heure, que ça consiste aussi à donner, je dirais, une image extrêmement positive, extrêmement sympathique du travail de recherche, ce qu'on voudrait bien finalement. Et il y a un public de lycéens très nombreux aujourd'hui. Eh oui. C'est... Ah, ils savent nous rappeler qu'ils sont là. Ouais, ça, c'est donner envie. Ouais. Donner envie, hein, que les doctorants montrent qu'ils sont heureux de faire ce travail de recherche, que ce travail de recherche est utile à la société, utile à l'avancée des connaissances, et peut-être de cette façon-là aussi susciter des vocations. Voilà à peu près comment, le jury va travailler. Merci beaucoup, Gérard-Marie, de nous avoir éclairé sur la grille de lecture et de jugement. Vous allez donc tous pouvoir voter ici dans la salle et désigner la meilleure prestation que vous allez voir. Il y a 4 prix au total qui seront remis aujourd'hui. Le premier prix du jury d'une valeur de 1 000 euros, le deuxième prix 500 euros, le troisième prix 400 euros. Ces 3 premiers prix sont décernés par le jury. Et puis il y a le prix du public, donc que vous décernerez d'une valeur de 800 euros. En précisant, c'est important que le premier prix du jury et le prix du public représenteront l'URCA et les établissements associés lors de la demi-finale nationale qui se déroulera les 29 et 30 mars. Et puis une précision également, c'est que nos lauréats se verront remettre ce trophée qui est donc fabriqué par un des établissements de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Il s'agit du Fab Lab Smart Materials de Lézine, c'est l'école d'ingénieurs en sciences industrielles et numériques qui est basée à Charleville. Bon, voilà, vous savez tout du déroulé maintenant de cet après-midi. Il va être temps d'entrer dans le vif du sujet et d'accueillir nos candidates et candidats. Je voudrais quand même, avant de commencer, une dernière chose, et c'est le cas chaque année, c'est le rappel de la règle de base pour MT180. Je cite, « Chaque participant doit faire en 3 minutes un exposé clair, concis et surtout convaincant autour de son projet de recherche avec un seul support visuel, seul face au chrono, 180 secondes et pas une de plus. » Et ça commence maintenant avec notre première candidate qui a la lourde tâche d'ouvrir cette édition 2024. Alors encouragez-la comme elle le mérite, Apolline Duretête. C'est pas mal pour ouvrir le bal. C'est pas mal du tout. Ouais, merci c'est beaucoup. Pas mal, c'est pas mal. Bonjour Apolline. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes originaire de Châlons en Champagne. Vous êtes rémoise depuis 6 ans pour poursuivre vos études et vous ne faites pas qu'étudier d'ailleurs, vous enseignez aussi. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup transmettre la connaissance et donc que ce soit durant mes années d'études où j'ai fait du tutorat à l'intention des étudiants en licence de psychologie ou même encore aujourd'hui où j'ai une charge de TD et des cours à l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers de Reims, j'aime transmettre et donc ça se traduit à travers ces différentes fonctions pédagogiques. Alors on aime bien aussi lors de ces échanges qu'on va avoir juste avant votre présentation, connaître un peu aussi votre personnalité puis les ambiances qui peuvent régner au sein des laboratoires de recherche. Et les autres membres de votre labo apprécie apparemment vos pâtisseries. Oui, tout à fait. Alors, l'art compliqué de la pâtisserie, oui. C'est que souvent, vous faites beaucoup plus qu'une seule personne peut manger. Mm-hmm. Et j'ai la grande chance d'avoir un laboratoire qui est très friand de pâtisserie. Et donc, je peux tout à fait ramener le lundi matin ce que j'ai fait le dimanche. Et je suis sûre qu'il n'y aura aucun reste. Donc, aucune en grande perte. Quantité à chaque fois le dimanche. Vous le passez à cuisiner, à faire de la pâtisserie. Tout à fait, tout ouais. à fait. Il faut bien réussir à se déstresser uh-huh. dans cette période difficile qu'est la thèse. Ouais, oui, avec parfois quelques petites surprises aussi dans les pâtisseries, non? Oui,
oui, on va dire que j'ai un humour un peu particulier, notamment pour le 1er avril. Qualifié de caustique par votre directeur de thèse. Ah, cessez de dire, pas les miens. Ouais. mais oui, tout à fait, pour le 1er avril, on s'était lancé un peu comme défi avec les doctorants de « Est-il possible de faire des gâteaux à la farine de grillon ?» La réponse est oui, tout à fait. Il est tout à fait possible de faire des gâteaux à la farine de grillon. Faites attention à bien le noter en gros, par contre, sur les mots, car les gens ne les lisent pas toujours hein, et se retrouvent à constater les faits après la dégustation. Donc je vois que la recherche, ce n'est pas uniquement dans le labo, c'est aussi dans votre cuisine. Hein. Tout à c'est fait, j'adore bien. Expérimenter. Bon, donc la pâtisserie est une de vos échappatoires à la recherche. Vous pratiquez aussi à tout un tas de loisirs, hein, traits manuels, peinture, dessin, scrapbooking, les jeux vidéo aussi, le jardinage. Et puis la reconstitution historique, ça, ça vous touche vraiment. Parlez-nous de la compagnie médiévale des Sacres, d'ailleurs, à laquelle que vous avez intégré récemment. Tout à fait, j'ai intégré cette année, c'est une compagnie qui s'oriente autour du 14e, 15e siècle, nous sommes dans la ville des Sacres, et qui s'occupe de tout ce qui est reconstitution historique au niveau médiéval, et donc c'est revivre la vie d'antan, et moi mon objectif c'est de finalement transmettre l'histoire de la maladie mentale et de la santé mentale par extension, à travers les âges, notamment durant cette période, une autre forme de vulgarisation, en un sens. Donc si on se balade les 25 et 26 mai prochains au pied de la cathédrale de Reims pour les fêtes johanniques, on risque de vous croiser alors. Tout à fait, mais ça sera très certainement dans une tenue différente. Évidemment. Bon, on laisse les 14e et 15e siècles de côté. Il est temps de nous plonger dans vos travaux de 2024. Nous allons vous laisser exposer votre sujet de thèse, étude des troubles de la cognition sociale associé au syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, approche multidisciplinaire et transnosographique. Vous avez 3 minutes et le chrono est à vous. Merci. Dehors, la nuit est calme. Pourtant là, derrière la fenêtre du 3e étage, c'est la tempête. Des jambes s'agitent, les draps volent, les poumons manquent d'air, le cœur s'affole, la gorge émet un râle et... Paul refait surface. Comme 16% des Français, Paul souffre du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Ses voies aériennes supérieures, trop lourdes, s'affaissent sur la trachée et c'est la noyade. Son cerveau tente, tant bien que mal, de mobiliser les muscles de son cou, se réveille à la limite de la conscience pour éviter l'asphyxie, du moins pour un temps. Heureusement, pour ça, il y a un appareil qui envoie l'air de la pièce dans les poumons de notre cher Paul. La pression positive continue. Batterie, tuyaux et masque, le voilà équipé pour éviter de sombrer. Mais cela est-il seulement efficace? C'est là que j'interviens. Ma thèse, comprendre comment le mécanique permet de supporter l'anatomique pour soulager le neurologique des apnéiques, et ce, espérons-le, pour une journée sans le moindre hic. Mon hypothèse est que l'aide mécanique permettrait de soulager la charge cérébrale et cognitive durant la nuit, plus particulièrement celle du cortex prémoteur, ce veilleur sans répit. Car pour Paul, le problème, c'est la fatigue. Un goudron qui le ralentit, l'empêtre et empoisonne chacune de ses interactions sociales. Sa femme n'en peut plus de l'entendre ronfler. Son patron l'engueule sur sa productivité. Et lui, il aimerait pouvoir y arriver. Pensée ralentie, troubles de attention et humeur déprimée, aider les poumons à respirer, c'est un bel enjeu. Mais laisser le cerveau souffler, c'est encore mieux. Avec une oxygénation sécurisée, celui-ci pourrait alors se laisser porter sans interruption à travers les stades du sommeil, léger, profond et paradoxal. Je procède alors à des évaluations avant, pendant et après traitement à 4 mois afin de déterminer de possibles effets thérapeutiques sur la mémoire, les émotions ou encore l'attention. Pour cela, je combine des bilans neuropsychologiques complets, soit des tests normés et standardisés, avec de l'imagerie médicale. Pendant que les champs magnétiques agitent les molécules d'eau, je fais de même avec les neurones de mes patients. Histoire à compléter ou lettres à mémoriser, en IRM fonctionnel, pas question de se reposer. Je teste alors l'impact de la pression de l'air sur les capacités du cerveau au repos et en activité. Psycho, pneumo ou encore radiologue, je me suis embarquée avec un équipage de choc pour ce voyage multidisciplinaire où le patient, et non sa maladie, devient ma boussole. Et s'il me reste encore quelques apnéiques à observer, mes premiers résultats sont plus qu'encourageants. Alors, tout comme Paul, soyez rassurés, mesdames et messieurs, car pour ce voyage, je veille sur votre sommeil.
Merci Apolline. Nous enchaînons tout de suite avec notre deuxième candidat. Merci d'accueillir avec autant d'énergie Anas Aïtalaoul. Bonjour Anas. Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Anas, vous avez 27 ans, vous êtes en deuxième année de thèse, vous venez de Marrakech, au Maroc. Vous enseignez, vous aussi, lors de travaux pratiques. Exactement. Mais l'université, a priori, ce n'est pas forcément où vous vous voyez poursuivre votre carrière. Oui, mais ça sera toujours dans le monde de la recherche et dans un laboratoire, que ce soit à l'université ou en entreprise, avec un grand groupe. Alors, ce qui explique vos deux adjectifs, les deux adjectifs qui vous caractérisent, en tout cas, patient, donc ça, j'imagine, c'est très utile pour la recherche. Oui, il le faut. Et ambitieux, parce que votre objectif, alors là, expliquez-nous ça, c'est de pouvoir révolutionner les choses, rien que ça. Un minimum. Ouais. Participer un peu au niveau écologique. Je laisse ça un peu secret pour tout à l'heure. Je parlais. Ah, d'accord. Non, on ne dévoile pas le contenu de la suite, d'accord. Mais donc, en tout cas, vous voulez changer les choses. Et est-ce que le rap vous aide à changer les choses? Et est-ce qu'il est apprécié dans votre labo, le rap maghrébin, français ou américain, que vous appréciez, vous, beaucoup? Alors, j'en ai jamais discuté avec les gens de mon labo. Vous en passez au labo? Mais oui, j'écoute bien du rap quand je ne travaille pas, bien sûr. Des fois, quand je prépare mes matériaux, j'écoute ça aussi. Et du coup, j'écoute un peu de rap marocain, français, américain. Alors, un rap marocain que vous pourriez nous conseiller d'écouter, ce serait quoi? Je laisserai Yasser. Toto. 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 El okay. Grande Toto. Eh ben, on ira porter une oreille attentive à ce que fait Toto. Merci. Qu'est-ce qui vous motive là, dans ce défi, ma thèse, en 180 secondes? Alors, la première des choses, c'est de partager un peu les objectifs principaux de mes travaux de recherche. Deuxième des choses, m'entraîner un peu à la présentation devant un grand nombre de publics. Et la troisième des choses, encourager, inciter les jeunes à savoir et se lancer dans la recherche scientifique. Eh bien, on va voir, ils vont être attentifs. Et puis, je vous laisse les embarquer. Ils sont là pour découvrir vos travaux de recherche sur la durabilité des composites stratifiés non tissés à renfort hybride l'invert, études expérimentales et modélisation numérique. Vous avez 3 minutes, Anas. Le chrono Merci. Est à vous. Préparez-vous à une plongée palpitante dans l'univers de ma thèse. Enfin, ma cuisine, où je concocte des sandwichs. Mais attention, mes sandwichs ne sont pas ordinaires. Au milieu, le liège, un matériau léger, épais, entouré de 2 matériaux composites minces et rigides. Ces composites sont un mélange de fibres de lin et de résine. Ils sont tous fabriqués par la méthode de l'infusion de résine sous vide. Cette méthode, elle nécessite une précision extrême. Parce qu'une petite fuite peut influencer peut engendrer des conséquences très importantes sur la qualité de mes matériaux, tout comme une fuite sur une cocotte minute peut influencer la qualité et la cuisson d'un repas. C'est dans ces détails infimes que réside la préparation et la fabrication de mes matériaux. Dans ma cuisine, je jongle avec tous les ingrédients, cherchant le mélange parfait pour mes matériaux composites. Des matériaux écologiques, innovants, qui seront utilisés dans la fabrication des bateaux de course. C'est un défi basé sur le remplacement des fibres synthétiques nocives pour la planète par des fibres naturelles et écologiques. Avant de présenter mon sandwich sur un plat, que ce soit un journal, une conférence ou un partenaire industriel, je le fais passer par une multitude de tests pour analyser son comportement mécanique, acoustique et hygrothermique. C'est sa résistance à l'eau et à la chaleur. Dans un seul but, c'est de implémenter et rendre robuste un modèle numérique capable de prédire le comportement de mes matériaux.
Ce travail de modélisation mécanique, programmation informatique, permet d'anticiper les différents aléas techniques, garantir la qualité de mes matériaux, réduire le coût des essais expérimentaux et limiter les déchets. Mais attendez, est-ce que vous êtes au courant déjà que la fabrication des fibres de verre, qui sont des fibres synthétiques, nocives pour la planète, nécessite une quantité d'énergie annuelle d'environ 20 millions de foyers. C'est énorme. Ça contribue à l'émission de gaz à effet de serre et exerce une pression très importante sur les ressources énergétiques. Ainsi, l'histoire de ma thèse, mes ingrédients et mon sandwich final n'est pas seulement celle d'un chercheur, mais d'un gardien de l'environnement. Bravo Anas. Nous poursuivons cette édition 2024, ma thèse en 180 secondes, en accueillant notre troisième candidate. Merci d'accueillir Lucille Capitaine. Bonjour Lucille. Bonjour. Vous avez 27 ans. Vous êtes en deuxième année de thèse, vous êtes rémoise exilée au cœur de la forêt ardennaise dans ce très bel endroit qu'est Boult-au-Bois, près de Vouziers. Alors vous avez d'abord fait un BTS audiovisuel avant de vous tourner vers la faune sauvage. Ça n'a rien à voir ou c'est peut-être finalement complémentaire, voire indispensable ? Plutôt rien à voir. Ouais. Le BTS audiovisuel, j'étais en option montage et post-production, donc j'étais derrière un ordinateur en permanence. Ça me manquait un peu l'extérieur, donc là, je suis servie avec la faune sauvage. Bon, parfait. Même pas utile pour enregistrer des sons, si, toujours, des vidéos, des choses. Si, on fait des photos, des vidéos, c'est toujours un petit peu complémentaire. Mais ce n'était pas l'objectif de base. Alors Lucille, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'ambiance de travail au sein du CERF. Le CERF, c'est le centre de recherche et de formation en éco-éthologiste à Boult-au-Bois. Et vous partagez vos locaux avec la Maison de la Nature de Boult-au-Bois, qui accueille régulièrement beaucoup d'enfants et qui rend parfois vos conditions de recherche un peu particulières et surtout festives parfois, et les vendredis apparemment notamment. Oui, ouais. C'est vrai que pendant les vacances scolaires, il y a des groupes d'enfants et le vendredi après-midi, c'est boom. Alors mini boom, mais quand même, on a le droit à toutes les musiques qui restent bien dans la tête. Et surtout, à un moment donné, bah, vient le moment de la chenille. Et bah, clairement, ils débarquent dans le bureau. Et bah, des fois, on les suit. Hein, quand on n'est pas dans une visio ou un coup de téléphone, c'est vrai qu'on fait la chenille avec eux. Bon, après, le point positif des enfants, c'est quand même qu'il y a un feu de bois le vendredi midi, ils font des chamallows grillés et souvent, on arrive à en avoir un ou deux. Vous en profitez un peu aussi. Bon, j'ai quand même l'impression que vous n'avez pas besoin d'eux pour vous amuser, hein, si j'en crois ce que vous laissez parfois comme petite surprise dans les tiroirs des bureaux de vos collègues. Les collègues sont des grands enfants, donc c'est vrai qu'on a appris à s'amuser aussi. Et donc, dernièrement, j'avoue, je l'assume, j'ai acheté des claque-doigts, donc pas des pétards, mais des tout petits claque-doigts qui claquent bien. Et donc avec d'autres collègues, on s'est amusé à le mettre dans tout le bâtiment. On en trouve encore. Et voilà, bah oui, finalement, on ne fait pas que chercher dans le domaine scientifique. On cherche aussi les pétards parfois. Alors, chenille, chamallow grillé, bonne vanne entre collègues, un peu de sortie terrain quand même au milieu de tout ça. Et puis, vous voilà boulangère, vous. Alors, c'est vrai que dans le village, la boulangerie a fermé. Donc, du coup, on a décidé d'ouvrir une boulangerie associative. L'objectif, donc, c'est les bénévoles du village qui viennent faire le pain. Donc, on n'est pas boulanger. Hein, donc, clairement, on fait des expérimentations et au fur et à mesure, on trouve les bonnes recettes. Et donc, effectivement, le dimanche, je vais faire le pain pour les gens du village. Bon, bah, si vous faites des journées portes ouvertes, en tout cas au CERF, dites-le-moi. Moi, je voudrais voir, vivre et puis goûter ça. Hein. Ça m'intéresse. Pour finir, Lucille, MT 180, c'est un passage obligé pour vous ? Bah, alors, j'ai découvert ça pendant ma licence à Strasbourg. C'est vrai que la thèse, ça me paraissait vraiment impossible. Donc, bon, je suis là, donc sachez tous que c'est possible d'être en thèse. Et donc, c'est vrai que quand j'avais découvert ce concours, ça me paraissait improbable de participer. Donc, voilà, je me lance le défi. Eh ben, allons-y, relevez-le. On vous laisse 3 minutes pour le faire. Étude des impacts des cultures intermédiaires à valeur énergétique sur la faune sauvage. Lucille, vous avez 3 minutes, c'est quand vous voulez. Imaginez être confronté à un chamboulement total de votre environnement. Le supermarché s'est téléporté à des kilomètres, votre terrain de jeu s'est transformé en gratte-ciel et votre fromager bien-aimé a mystérieusement fermé ses portes.
C'est un peu ce que vit la faune sauvage de nos plaines céréalières, avec l'arrivée de la méthanisation agricole. La méthanisation, c'est un processus naturel qui consiste à mettre des déchets organiques dans une grosse cuve appelée méthaniseur pour produire du gaz naturel. Sauf que ces déchets ne sont pas suffisants et des cultures sont plantées et coupées dans le seul but de remplir ce méthaniseur. Ces fameuses cultures modifient complètement le paysage agricole en atteignant des hauteurs inhabituelles au moment où les terres devraient être dénudées. Et surtout, elles sont fauchées en pleine période de reproduction des animaux. Mon objectif, comprendre comment ces nouvelles cultures affectent la vie de deux espèces animales typiques de nos plaines céréalières, le chevreuil et la perdrix grise. Deux scénarios possibles. Cette nouvelle agriculture a des conséquences négatives sur ces espèces, notamment avec la destruction de nids pendant les fauches, ou au contraire, un impact positif en leur offrant des zones refuges contre les prédateurs. Comme je peux difficilement leur poser la question, je capture des chevreuils et des perdrix pour leur mettre un collier GPS. Pour les chevreuils, j'utilise des grandes cages, je mets du maïs et je croise les doigts pour qu'un chevreuil veuille bien rentrer. Pour les perdrix, on les éblouit avec des lampes en pleine nuit et on avance doucement, doucement, et bam, on les attrape avec notre épuisette. Étant trop fragile pour être anesthésié, je pose des colliers sur des animaux bien, bien réveillés. Maintenir une perdrix, plutôt facile. Un chevreuil, ça s'apparente plus à une séance de catch. D'ailleurs, mon corps se souvient encore de la dernière manip. Notre objectif, capturer 20 chevreuils. Ambitieux. En 2 ans de capture, nous sommes à 8 chevreuils capturés, dont 2 nous ont fait l'affront de partir de notre zone d'étude. Mais grâce à ce dispositif GPS, je reçois la position de mes animaux plusieurs fois par jour. Ainsi, je peux savoir où ils dorment, où ils mangent, la distance qu'ils parcourent. L'analyse de ce type de données est longue et fastidieuse, et nous devons encore équiper quelques animaux avant d'apporter les premiers résultats. Mais en analysant les cultures dans lesquelles ils se déplacent, et en les comparant avec celles disponibles autour d'eux, je pourrais savoir si les cultures dédiées à la méthanisation sont appréciées ou évitées par les animaux, et donc finalement savoir si et comment ils s'adaptent à leur nouvel environnement. Bravo Lucille, merci beaucoup. Bon, j'espère que vous passez un bon moment, vous découvrez des univers insoupçonnés, improbables. On va continuer de le faire tous ensemble avec notre quatrième candidate. Merci d'accueillir Sephora Kamwesigano. Bonjour Sephora. Oui, bonjour. Vous avez 30 ans, Sephora, vous êtes originaire du Cameroun. Effectivement. En France depuis 2020. Oui, c'est ça. C'est ça. Et votre troisième année de thèse, eh bien, vous la partagez entre Troyes en France et Rende-Cosenza en Italie. Et c'est ce qu'on appelle une thèse en co-tutelle. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Une thèse en co-tutelle, en fait, c'est un dispositif qui permet le déplacement, en fait, une collaboration entre deux universités, deux laboratoires, et qui permet justement aux étudiants de pouvoir obtenir un double diplôme. Double diplôme, donc, oui. Valable en Italie comme en France. Oui, effectivement. Très bien. Vous devez avoir une grande faculté d'adaptation, Sephora, parce que Cameroun, France, Italie, c'est sans doute pour cette raison que vous vous êtes engagée au sein d'une association qui aide les étudiants étrangers. De quelle manière ? Cette association, effectivement, s'engage à l'accueil des nouveaux étudiants étrangers, à leur intégration dans un nouveau système académique, et aussi au travers des conférences sur l'excellence académique les accompagne et les motive pour le succès dans leurs études. Alors vous, quand vous êtes arrivé en 2020, vous n'étiez jamais venu en France ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris à votre arrivée en France ? Le décalage horaire. Ouais. Le Cameroun d'où je viens à 18h, il fait tout sombre. Mm-hmm. Mais à mon arrivée à Paris, à peu près 20h, il y avait un soleil tout éclatant et... bizarrement, il faisait plutôt une température très froide et à peine 2 mois, à 16h30, il faisait sombre.
Oui, c'est ça, c'est tout l'un ou tout l'autre, finalement. La cuisine aussi, peut-être, vous a surprise, je ne sais pas, c'est une de vos passions, en tout cas. Et puis, alors, vous aimez refaire les plats qui vous ont plu. Alors, quel plat français ou italien vous aimez refaire et partager? L'un de mes préférés, un plat italien, est donc les aubergines à la parmigiana. Et bon, dans le monde italien, dans le monde français, pardon, la cuisine française, je suis encore en exploitation, en exploration, pardon. Mais déjà, dessert pâtissier m'intéresse bien, le flan pâtissier. Le flan pâtissier, d'accord, j'en veux bien une part, vous me la mettrez de côté, s'il vous plaît. Et on peut dire en tout cas que la recherche, à vous, c'est une de vos passions. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux lycéens qui sont là, à Reims et à Troyes, les lycéens là, qui nous ont rejoints aujourd'hui, pour les encourager à se lancer dans la recherche? Alors, la recherche, c'est une belle expérience. C'est pas facile, mais avec les résultats qu'on obtient ou le chemin vers les résultats, cela vient tout couvrir les moments de galère qu'on a pu passer, nous donner le sourire au visage. Donc, bon, je vous encourage. C'est fort. J'imagine que vous allez finir de les convaincre avec votre présentation. Vous qui êtes femme de défi, je vous laisse relever celui du jour, nous présenter donc votre sujet de thèse en 3 minutes. Développement des étiquettes intelligentes non clonables à plusieurs niveaux pour des actifs systèmes de protection. Vous lancez le chrono quand vous voulez, Sephora. J'ai passé mon enfance au Cameroun, communément appelé Afrique miniature. Et là, nous allions la plupart du temps chez des vendeurs de rue pour avoir des médicaments moins chers qu'en pharmacie. Mais je me suis toujours demandé, y a-t-il un risque pour la santé? Parce qu'en fait, c'est de la contrefaçon de médicaments. Imaginez-vous que plus de 4 milliards de produits pharmaceutiques contrefaits sont commercialisés dans le monde. Et ce n'est pas tout. La contrefaçon impacte également l'industrie alimentaire, l'habillement, l'électronique. Grâce à mon travail de thèse, je lutte contre ce phénomène. Je développe un système de protection en forme d'étiquette non clonable. Depuis déjà 2 ans, mes journées se superposent entre mélanges liquides un peu bizarres en laboratoire et des heures devant mon ordinateur pour concevoir un modèle numérique d'étiquette. Une fois mon modèle conçu, je fabrique ces étiquettes qui pourront être intégrées sur l'emballage de n'importe quel produit. Comment je fais? J'empile plusieurs couches de matériaux transparents et flexibles sur lesquels je dépose un colorant fluorescent. Ça paraît simple, mais il m'a fallu 6 mois pour le développer. Et oui, il faut du temps. La particularité de ce colorant est de changer de couleur au contact d'une lumière ultraviolette. Vous avez déjà mélangé de l'eau et de l'huile? Je parie que oui. Qu'avez-vous remarqué? Qu'elles ne se mélangent pas. Bien au contraire, elles se séparent et forment des petites bulles. C'est exactement de cette manière que se comporte mon colorant lorsque je le dépose sur mes couches transparentes. Il se sépare et forme des petits points placés de façon aléatoire pour donner une identité unique à chaque étiquette. Afin de vérifier leur efficacité, je sélectionne 2 étiquettes A et B. Ensuite, je prends 3 photos de chacune d'elles sous 3 angles différents et je les compare grâce à un algorithme de reconnaissance d'image. L'objectif espéré est que une photo de mon étiquette A comparée à une photo d'elle-même prise sous un autre angle se reconnaissent grâce au petit point fluorescent qu'elle contient. Il faut également qu'une photo de mon étiquette A comparée à une photo de l'étiquette B se rejette, montrant ainsi la particularité de chaque étiquette. Alors, cette expérience a été réalisée sur 10 étiquettes fabriquées en laboratoire et les résultats montrent que mon expérience fonctionne. Yes! Ceci pourra permettre donc dans le futur à chaque consommateur de pouvoir vérifier l'authenticité d'un produit juste en scannant l'étiquette sur l'emballage, ensuite, en l'aide d'une application, aller la comparer aux autres photos stockées en ligne par le producteur. Petit rappel, chaque étiquette est identique et ne peut donc être unique et ne peut être donc dupliquée, comme les empreintes humaines. Alors mon étiquette est un non à la contrefaçon et un oui à la sécurité de l'homme. Yes, Sephora. Bravo, merci. Nous accueillons à présent notre 5e candidate. Merci de l'accueillir avec l'énergie qu'elle mérite, Sarah Dandono.
Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, vous avez 25 ans, vous venez de Bourgogne et vous poursuivez votre deuxième année de thèse à Reims sur un sujet, alors là c'est étonnant, ça m'a étonné, que vous n'avez jamais étudié. Eh bien oui, je n'avais jamais suivi d'enseignement en droit de l'urbanisme ni vu la matière de près, mais le sujet était là, j'étais là, donc... Une rencontre, et voilà. Alors ce serait un atout, un handicap pour vous? Je pense que, je dirais que ça serait un atout, puisque en tant que profane, les spécificités du droit d'urbanisme vis-à-vis de la protection m'ont sauté aux yeux directement. Alors vous ne manquez apparemment ni de curiosité ni de talent pour identifier des pistes à explorer pour faire avancer vos recherches. Ça semble être le cas aussi au sein du labo, mais pour organiser des surprises d'anniversaire. Oui, j'aime bien les surprises, j'aime bien les anniversaires, donc je me suis dit que cumuler les deux, ça serait intéressant. Donc avec moi, une surprise en cache plein d'autres. Et c'est une approche altruiste, selon vous, finalement, ça? Oui, puisque le travail de thèse peut paraître solitaire, on peut se sentir seul, et donc c'est une manière pour moi de dire à mes compagnons, finalement... que je pense à eux et que je leur remercie pour ce qu'ils m'apportent au quotidien. Et vous avez d'ailleurs à peu près la même approche hein, quand il s'agit d'assurer des TD? Oui, même à 8 heures, on vient avec le sourire. C'est un moment d'échange, de partage et j'ai l'impression de rendre un peu de ce qu'on m'a donné quand j'étais moi-même étudiante. Sarah, je vais vous laisser nous expliquer en quelques mots pourquoi vous vous êtes lancée dans ce défi ma thèse en 180 secondes, parce que ça pourrait être inspirant pour les jeunes qui sont là et d'ailleurs pour nous tous qui sommes ici et qui vous qui nous regardez cet après-midi, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi ma thèse en 180 secondes. Disons que je me suis souvent cru incapable de beaucoup de choses et qu'aujourd'hui j'agis en essayant de laisser mes craintes de côté. C'est pas toujours facile, mais... MT 180, c'est pour me rappeler que l'important, c'est d'y croire. Eh ben Sarah, on vous souhaite en tout cas d'avoir laissé vos craintes à l'entrée de cet amphi. Et nous vous écoutons nous présenter votre sujet de thèse, les fonctions de protection du droit de l'urbanisme. Vous avez 3 minutes. N'avez-vous jamais rêvé d'avoir pour voisin de palier un cerf? Eh bien... Avec le droit à l'urbanisme, c'est possible. Le droit à l'urbanisme, c'est un ensemble de règles qui déterminent où nous pouvons construire nos maisons, nos parcs, nos immeubles. Cela tombe bien, je suis juriste, votre guide dans ce labyrinthe juridique. Ma mission, montrer que le droit à l'urbanisme, comme un artiste, mélange la nature avec le béton, mais pas n'importe comment. Mon hypothèse est la suivante. En même temps que le droit à l'urbanisme autorise des constructions, il assure les protections de la nature, de la plage, des montagnes, du patrimoine, en restreignant et en interdisant les constructions. Nature, espace agricole, patrimoine et bien d'autres encore sont les objets de législations spécifiques, mais indépendantes. Cela engendre nécessairement des incohérences, vous en conviendrez. On ne peut construire sur un espace sans en altérer le caractère naturel. C'est là que j'interviens. Pour que le droit de l'urbanisme vise la cohérence de toutes les utilités du sol. J'aide à relativiser les protections des législations pour parvenir à leur application simultanée. Tout dépend en fait de ce que l'on entend par protection. Conservation en l'état ou aussi évolution. Le droit de l'environnement prend soin de la nature comme une mère surprotégeant son enfant. Le droit de l'urbanisme vise la protection de la nature tout en assurant l'existence des constructions, telle une mère laissant son enfant se confronter à l'environnement. Je scrute alors chaque règle, chaque procédure, chaque instrument du droit d'urbanisme à la recherche de toute tentative de conciliation. C'est comme un jeu de détective où je visite les bibliothèques à la recherche des réflexions de mes pairs. Il ne faut rien laisser au hasard, car un seul mot peut changer la donne. J'assiste à des audiences afin d'observer l'application et l'interprétation des règles d'urbanisme. À mesure que mon enquête avance et que mes idées s'accumulent, je reconstitue le puzzle. Et devinez quoi ? J'ai déjà trouvé que le droit à l'urbanisme assure simultanément ses protections.
Son objectif ? Articuler les protections. Avec ma thèse, je cherche à concevoir une clé de lecture permettant de penser la coexistence de protections parfois incompatibles. Prenons les plages. Elles sont protégées par des interdictions de construire, sauf pour les constructions temporaires, les sanitaires ou encore les centres de secours. Interdire les constructions pour ensuite en autoriser certaines ? C'est un peu contradictoire, non ? Comme un magicien, le droit de l'urbanisme rend possible ce qui est indispensable dans des espaces où aucune protection ou aucune construction ne serait autorisée. Alors, quand vous vous demanderez qui inviter à la fête des voisins, ne cherchez plus, conviez votre ami le cerf. Bravo. Voilà, surmonter ses craintes, c'est possible. La preuve, donc, à travers cet exercice de ma thèse en 180 secondes. Poursuivons à présent avec notre sixième candidate. Merci d'accueillir Victoria Mondésir-Abou. Bonjour Victoria. Bonjour. Victoria, vous avez 28 ans, vous êtes en troisième année de thèse et vous pourrez dire que vos études vous auront fait voyager puisque vous êtes née en Guyane française, arrivée en métropole il y a une dizaine d'années pour suivre des études d'ingénieur et une fois validée, direction le Japon. Pourquoi le Japon ? En effet, qu'est-ce que j'ai fait au Japon ? J'ai d'abord fait un semestre en échange universitaire là-bas. Ensuite, j'y suis allée en stage de deuxième année en école d'ingénieur et ensuite j'y suis retournée en volontariat international en entreprise. Alors, c'est un pays que j'aime beaucoup au niveau de la culture, au niveau de la façon dont la population s'est développée, au niveau de l'histoire. Donc voilà, je voulais voir par moi-même. Bon, et j'imagine que vous le connaissez bien parce que le Japon, vous êtes allée à Tokyo, Kumamoto, Kyoto, Osaka, est-ce que vous seriez capable de poursuivre notre échange en japonais, Victoria ? Eto chotto muzukashii desu ne, kedo, ano, nihongo no renshi ga sukunaku natchatta kara, muri da to omoimasu. Eh oui, évidemment. Elle a tellement raison. Eh oui. Alors, en quoi cette expérience vous a servi, Victoria ? Ça m'a beaucoup servi parce que quand on va dans un pays étranger, qu'on est français, qu'on a toujours baigné dans une seule culture, le fait de devoir s'adapter à une autre culture, ça permet de prendre du recul sur soi, de se poser certaines questions, de se remettre en question et aussi d'en apprendre beaucoup au niveau de l'humilité et de la capacité d'écoute. Et puis le contrôle aussi de soi, parce que vous avez pratiqué un art martial japonais, le laïdo, qui se pratique avec un grand sabre, c'est ça, le katana ? Oui. Ouais. Comment ça se passe ? Et qu'est-ce que ça vous apporte, cette pratique ? Le laïdo, ça m'a apporté beaucoup en termes de respiration, de contrôle de soi, parce que c'est vraiment très précis. Comme c'est pas un combat, voilà, c'est vraiment la précision qui importe dans le laïdo. Et puis la philosophie aussi, vous lisez beaucoup, donc c'est compatible avec cet art martial qui vous pose, j'imagine. Quel est votre projet professionnel après cette thèse qui va se terminer ? Alors, j'envisage de travailler dans un laboratoire de recherche et développement dans le privé plutôt que dans l'académique. Et j'aimerais bien rejoindre pas mal de secteurs différents. Enfin, je ne sais pas encore quel secteur, mais peut-être l'aéronautique. Peut-être la défense, peut-être autre chose, en fonction de là où je pourrais être le plus utile. Très bien. Victoria, on va préciser quand même, vous ne nous avez pas parlé en yaourt il y a deux minutes. Vous avez vraiment dit quelque chose en japonais. C'était quoi ? J'ai dit que ce serait un peu compliqué de continuer l'échange parce que ça fait longtemps que la pratique du japonais, voilà, ça a diminué, donc compliqué. Oui, mais je sens que vous maîtrisez bien le français, donc je vous laisse poursuivre trois minutes sur votre sujet de thèse. Chaîne de conception virtuelle d'une pièce en fabrication additive par fil polymère chargé de poudre métallique. Le chrono, vous le lancez quand vous voulez, Victoria. Épictète, le fameux philosophe stoïcien, nous dit « Il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Parfois, chercher à esquiver les contraintes est plus coûteux, en temps ou en énergie, que d'apprendre à vivre avec. Et c'est pareil quand on veut fabriquer quelque chose. Justement, pour ma thèse, je travaille sur un procédé d'impression 3D des métaux un peu inhabituel.
il faut imaginer de minuscules billes métalliques dans une pâte en plastique. En déposant des cordons de pâte fins comme un cheveu, suivant une trajectoire contrôlée par ordinateur, on crée alors couche par couche une pièce. C'est la fabrication additive. Puis on chauffe pour évaporer la pâte et ne garder que les billes de métal. Sous l'effet de la chaleur, les atomes qui constituent les billes vont se déplacer et former des ponts de matière entre celles-ci. C'est la diffusion atomique. Mon procédé d'impression 3D se nomme donc fabrication additive par diffusion atomique. FADA, pour faire simple. Alors FADA, c'est top pour fabriquer rapidement des pièces de toutes les formes possibles. Sauf que, quand on fabrique une pièce couche par couche, des zones de vide suivant la trajectoire d'impression apparaissent. Il y a aussi des zones de vide entre les particules de métal agrégées. Et au bout du compte, on a entre 1 et 5% de porosité. Un vrai gruyère, plus ou moins solide. Et malheureusement, on ne peut pas faire disparaître ces trous. Par contre, on peut contrôler leur répartition grâce à la stratégie d'impression qui convient et ainsi réduire leur impact. J'ai donc réalisé des pièces pour plusieurs directions d'impression différentes et je les ai étirées avec une machine de traction jusqu'à la rupture pour évaluer leur résistance. Mais il y a toujours un problème. Casser chaque pièce qu'on fabrique pour caractériser sa solidité, c'est pas très pratique. On va donc passer par une analyse numérique pour réaliser un modèle qui permettra de prédire le comportement mécanique des pièces futures sans les abîmer. Les modèles, c'est super, sauf qu'un modèle, ça s'applique à un matériau homogène. C'est-à-dire qu'on retrouve la même configuration dans toutes les directions. Mais c'est pas le cas ici, puisque les défauts sont orientés. La solution, l'homogénéisation numérique. Autrement dit, regardez de loin. Numériquement, on ne voit plus les défauts poreux, mais leur impact est pris en compte et moyenné sur toute la pièce. Donc, on applique le modèle à la pièce numérique regardée de loin, on le calibre avec un test expérimental, et on vérifie si on arrive à prédire les autres tests expérimentaux. Et si c'est le cas, c'est gagné. Passage à la phase industrielle. En recherche, nous sommes des stoïciens. L'important, ce n'est pas de tout résoudre, mais de savoir ce sur quoi on a le contrôle et d'apprendre à vivre avec les contraintes. Donc je reste stoïque, je regarde de loin et je prends du recul. Bravo Victoria. Notre septième candidate, merci de l'accueillir, c'est Natacha Krombebeke. Bonjour Natacha. Bonjour. Natacha, vous avez 28 ans et avec vous, alors là, on va découvrir une autre forme de thèse. C'est la thèse à distance, puisque vous vivez à Gap, dans les Hautes-Alpes. Et je ne vous cache pas que je vous envie d'habiter là-bas. Et le labo se trouve à Reims. Alors avouez que quand on vient de Gap, elle en impose quand même la montagne de Reims, non? Je suis désolée, mais je ne l'ai même pas vue. Vous ne l'avez pas vue? Non. Non. Ok. Vous êtes sapeur-pompier volontaire Natacha, et depuis 2011, donc depuis l'âge de 16 ans, d'où elle vous vient cette vocation pour l'aide aux personnes, le secours aux personnes? De mon père. Mon père est pompier volontaire, professionnel maintenant même, et de ma classe de 3e. Mon professeur d'histoire géo avait ouvert une option, c'était l'option défense, qui nous permettait d'exercer tous les métiers de la défense et de la sécurité civile. Donc j'ai fait un stage et je me suis engagée chez eux. Et c'est devenu une passion aussi, j'imagine. Exactement. Parce que c'est pour cette raison que vous êtes restée à Gap. Oui. Ouais, expliquez-nous. Alors, je suis restée à Gap parce que je suis native de là-bas et la qualité de vie est quand même assez exceptionnelle. Et en plus de ça, j'ai ma caserne où tout se passe très bien. Et en plus, je donne des cours aux officiers sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence. Donc, j'ai ma vie qui est faite là-bas. Donc je préférais faire à distance cette thèse. Donc, je veux bien reconnaître que le parc naturel de la montagne de Reims est peut-être du mal à s'aligner face à celui des écrins. Exactement. Ouais, je peux le concevoir. Comment ça s'organise une thèse à distance? Alors, on a beaucoup d'échanges avec mon directeur de thèse par mail. Et après, quand on a des points importants à vérifier ou à échanger, je me rends sur Reims. Mais j'avoue que c'est plus compliqué que ce que j'aurais pensé. On a besoin de physique finalement et de se voir plus souvent. Une vraie thèse
dans un laboratoire avec ses collègues, c'est important. En tout cas, malgré cette distance, pour vous, cette thèse, c'est un devoir. Expliquez-nous. Oui, je pense que chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour améliorer notre société. Et étant pompier volontaire, j'ai pu voir certaines choses et aussi certaines choses qui ne sont pas faites, dont la santé psychologique. Elle n'est pas du tout abordée chez les pompiers, ou encore très peu. Et pour moi, c'était un devoir d'agir là-dessus, parce que tout simplement, j'ai perdu des collègues par rapport à cette santé-là, et je ne veux plus être inactive par rapport à ça. Donc c'est plus un devoir qu'une passion, cette thèse. Donc rester chez les pompiers, finalement, ce serait une suite logique pour vous après la thèse ? Exactement. J'aimerais intégrer le laboratoire de recherche des sapeurs-pompiers officiers, qui se situe à Aix-en-Provence, dans le sud. Ils se sont obligés de préciser dans le sud. Ok. En tout cas, vous qui accompagnez les pompiers sur la gestion de stress, le vôtre, vous l'évacuez en randonnant en montagne, en faisant beaucoup de sport, de compétition, de volley, de musculation. Et comment vous gérez le vôtre, là, aujourd'hui, avant de monter sur scène ? Là, j'essaye de respirer comme je peux. Oui. D'accord. C'est compliqué. Bon, ça semble... Ouais. Vous réussissez à tenir debout encore. Alors, ouais, allez, je vous impose pas plus longtemps cet exercice. Je vous laisse vous exprimer sur le sujet de votre thèse. L'impact des interventions non médicamenteuses sur l'adaptation psychologique dans le cadre de la prévention de l'épuisement professionnel chez les sapeurs-pompiers. Quand vous voulez, merci. Natacha. Si je vous dis camion rouge, uniforme, sauver des vies, vous pensez ? Pompiers, félicitations, vous avez trouvé un élément clé de ma thèse. Ces hommes du feu, habitués aux difficultés et aux exploits, sont souvent définis comme étant des héros. Mais un héros peut-il souffrir d'épuisement professionnel ? Ce sujet est particulièrement tabou dans cette profession. J'ai donc décidé d'en faire mon sujet de thèse. Laissez-moi vous présenter Fred. Fred est un pompier de 41 ans au grade d'adjudant. Depuis quelque temps, Fred a du mal à dormir. Quand il se lève le matin pour prendre sa garde, il se sent vidé de toute énergie. Fred aime son métier, mais traverse une mauvaise passe, s'isole. Un bras arraché, une mamie tombée du lit, un suicide sont des choses qui ne l'affectent plus. Il est devenu insensible. Quand il rentre d'intervention, il n'est plus en mesure de réaliser ses tâches professionnelles. Ses pensées s'embrouillent, sa mémoire lui fait défaut. Il s'angoisse et ne se sent plus à la hauteur de ses fonctions. La situation que connaît Fred est bien décrite en psychologie. Il s'agit d'épuisement professionnel, appelé aussi burn-out. Le cas de Fred est loin d'être isolé. En effet, la première partie de mon travail de thèse a été de mener une enquête nationale sur l'état de santé psychique d'un échantillon de plus de 3000 pompiers sur tout le territoire. Il s'avère que près de 20% seraient en épuisement professionnel modéré à sévère. Même si les pompiers sont physiquement actifs, j'ai choisi, pour la deuxième partie de mon travail de thèse, d'évaluer l'efficacité d'un programme en activité physique variée dans la prise en charge de l'épuisement professionnel. En d'autres termes, j'ai utilisé l'activité physique comme stresseur positif, permettant au corps et à l'esprit de s'adapter et d'augmenter leur capacité à faire face à d'autres sources de stress. Concrètement, 8 casernes ont accepté de participer à ce programme, me fournissant un total de 29 pompiers. Un groupe contrôle de 14 pompiers devait uniquement répondre à une série de questionnaires, permettant une comparaison au groupe sport de 15 pompiers. Ce groupe devait s'exercer 2 fois 60 minutes par semaine pendant 7 semaines sur un parcours liant toutes sortes d'exercices physiques, de techniques de gestion du stress, de techniques utilisées pendant les interventions et répondre également aux questionnaires. Mon programme fonctionne. Mes résultats montrent que plus de la moitié du groupe contrôle a réduit son épuisement professionnel. Pardon, le groupe sport. Ce qui n'a pas été le cas pour le groupe contrôle. À présent, j'espère que d'autres casernes vont être intéressées par ce programme et me demanderont de confirmer ces résultats. Donc, en tant que sapeur-pompier volontaire, je souhaiterais dédier ces travaux aux sapeurs-pompiers et plus particulièrement à mes collègues de caserne qui m'ont supporté moi et mes expériences depuis de nombreuses années. Bravo Natacha. Avant de marquer une petite pause par un entracte dans quelques instants, nous allons donc accueillir notre dernier candidat de cette première partie
de ma thèse en 180 secondes, cette finale territoriale. Je vous demande d'accueillir notre huitième candidat, Simon Thomine. Bonjour Simon. Bonjour. Simon, vous avez 26 ans, vous êtes originaire de Paris, vous effectuez votre dernière année de thèse à Troyes. Une thèse en entreprise, vous êtes ingénieur de recherche en deep learning et vision par ordinateur. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez nous expliquer, vos recherches, elles sont financées par votre employeur et servent ses intérêts, c'est ça l'idée ? Alors oui, en quelque sorte, c'est-à-dire que je travaille sur un projet de recherche qui est appliqué directement dans une industrie. Donc moi, de mon côté, ça me donne beaucoup de données pour pouvoir travailler. Et pour l'entreprise, bah forcément, c'est aussi intéressant pour vendre le produit de ma recherche, on va dire. Qu'est-ce qui vous passionne tant dans l'intelligence artificielle ? Il y a plusieurs choses, mais je dirais déjà le fait qu'on puisse l'appliquer à beaucoup de domaines, donc par exemple la médecine, l'industrie, également dans la vie de tous les jours, ça peut être utile. Et il y a aussi, d'une manière un peu plus philosophique, je trouve que résoudre la question de l'intelligence, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisqu'une fois qu'on a résolu ça, le reste, c'est quand même plus simple, quoi. Et ceux qu'on aurait peur, vous leur dites quoi quand vous échangez et quand vous dites « moi, je travaille sur l'IA » Comment je... Ceux qui ont peur de ceux l'intelligence, qui ont peur. Ouais. Vous leur dites quoi pour les rassurer ou pour... Je ne les rassure pas forcément, mais... Très bien. Mais on verra ce qui arrive. Oui. Et dans les romans de science-fiction que vous aimez lire, il y a de l'IA, vous aimez en trouver ? Bah, il y en a un petit peu, mais je trouve que ça manque en fait, parce que souvent ça a une place un petit peu de côté dans les romans de science-fiction. Et moi je pense que dans le futur, ça aura quand même une place centrale dans la société, selon mon point de vue. Bon Simon, vous n'êtes pas non plus complètement obsédé par l'IA. Vous avez autre chose dans votre vie, vous interagissez avec le monde réel, c'est bien, les spectacles vivants notamment. Et vous avez récemment vu Starmania. Alors, oui. J'avais envie qu'on profite de votre expérience, parce que le spectacle est programmé au Millésium d'Épernay en novembre prochain. Donc, est-ce que vous nous conseillez de prendre nos places ? Ah oui, je vous conseille vraiment. Moi qui n'aime pas trop la chanson française de base, j'ai vraiment apprécié. Et vraiment, si vous pouvez y aller, c'est une très bonne expérience. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Finalement, ça se présente bien à vous, ça, ma thèse en 180 secondes. C'est bien. Le vôtre, en tout cas, il va durer 3 minutes dans un instant. Pourquoi ce défi ? Je trouvais ça intéressant de vulgariser en fait la recherche. Avec une contrainte de temps, ça rajoute quelque chose de piquant, quoi. Du coup, j'ai voulu tester ce que moi, ça pouvait donner sur mon travail de recherche. OK. Allez, soyez honnête, Simon. ChatGPT, il vous a aidé à écrire votre texte, là ? Non, bien sûr que non. Non ? Non. Sûr ? Ok. Allez, on vous laisse nous le présenter en tout cas. Pixel IA, détection d'anomalies dans les réseaux de caméras, application dans l'industrie du futur. Vous lancez le chrono quand vous voulez. Imaginez, devant vous se dresse une machine de 3 mètres de large et 2,50 mètres de hauteur. Sur cette machine, un rouleau de tissu défile sous vos yeux. Votre mission ? Si toutefois vous l'acceptez, examinez ce tissu du matin au soir à l'affût du moindre défaut. Et tenez-vous bien, de cette manière, vous arriverez à détecter jusqu'à 60% des défauts. Impressionnant, n'est-ce pas ? Peut-être pas tant que ça. Hein. Ma thèse consiste à améliorer ce processus de contrôle qualité. Pour ce faire, je place 5 caméras, haute définition, épaulées par des projecteurs puissants, qui capturent chaque centimètre du tissu défilant à la vitesse de 60 mètres par minute. Mais passons maintenant à la partie la plus captivante, le traitement des images. Ici, j'ai introduit mon arme secrète, l'intelligence artificielle. Et non, je vous rassure tout de suite, pas besoin d'une armada d'ordinateurs surpuissants. Un simple PC gamer haut de gamme fera l'affaire. Je travaille sur un type particulier d'intelligence artificielle, les réseaux de neurones convolutifs. Inspirés de nos propres yeux, ce sont des experts en reconnaissance de motifs visuels sur les images. Habituellement, on les entraîne avec des milliers d'images, par exemple des chiens et des chats, pour leur apprendre à les différencier. S'ils se trompent, on les corrige et ils s'adaptent. C'est ce qu'on appelle l'entraînement supervisé. Mais mon défi avec le tissu est différent. Collecter des milliers d'images de chaque type de défaut pour chaque type de tissu est irréaliste. Mais comment faire alors ? Eh bien, c'est là qu'intervient l'entraînement non supervisé. Ici, je forme mon réseau à reconnaître ce qu'est un tissu normal. Mon réseau est un peintre qui s'entraîne exclusivement à reproduire des images de tissus sans défaut. À force de pratiquer, il devient un expert du recopiage des tissus normaux. Mais si plus tard, après son entraînement,
je lui demande de recopier du tissu avec un défaut, sa reproduction sera imprécise. Et en comparant d'une part l'image capturée par mes caméras et d'autre part la reproduction de mon réseau, je peux identifier les écarts et une grande différence signale un défaut. Revenons à ma machine et mes caméras. Je divise mes 5 images en centaines de petites images et grâce au traitement parallèle, mon réseau analyse simultanément toutes les images et localise les défauts. La découpe du tissu est ensuite ajustée pour minimiser le gaspillage. Cette percée dans la reconnaissance de défauts sur les textures ouvre des horizons passionnants. En industrie, elle élève le contrôle qualité à un niveau supérieur, assurant une production plus fiable et moins de gaspillage. En médecine, elle ouvre la voie à un nouveau compagnon pour les médecins, capable de repérer avec précision les maladies cutanées. C'est un bond vers un avenir où humains et intelligence artificielle unissent leurs forces pour tisser ensemble un monde meilleur. Merci Simon, bravo. Ah, c'est passionnant, hein, on se régale. Hein. Moi j'adore, j'espère que vous aussi vous passez un bon moment aujourd'hui. Nous avons donc pu entendre la moitié des candidats et ce fabuleux voyage au cœur de la recherche va continuer dans quelques minutes. Nous allons découvrir comment mieux diagnostiquer les cancers mammaires, comment détecter des attaques réseau, réfléchir aux défis de la souveraineté alimentaire. Avec nos candidats aussi à venir, nous verrons comment limiter l'anxiété chez les élèves. Nous ferons une plongée in vitro dans le monde fabuleux de la bactérie pour en sortir et prendre de la hauteur avec des drones. Et puis, nous verrons aussi combien le slam de poésie peut être utile au développement de l'éloquence. Voilà des domaines de recherche aussi étonnants, variés, insoupçonnés que prometteurs, d'ailleurs. Et c'est ce qui rend d'ailleurs cette finale vraiment passionnante. Et puis, amusante. Aussi, grâce à deux comédiennes, quand vous êtes entrées dans cet amphi, je crois qu'on vous a distribué des petits papiers sur lesquels vous avez noté des mots. Eh bien, c'est le moment de découvrir quelles histoires vos mots leur ont inspiré. Merci d'accueillir Agnès Sareva et Caroline Figuera de la LISA 21, la Ligue professionnelle d'improvisation. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, parce qu'il n'y a pas de micro pour nos deux comédiennes, donc pour oui, qu'elles puissent... Thank you.
Oui. Allez. Agnès Sareva et Caroline Figuera, merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci beaucoup. Agnès Sareva, Caroline Figuera de la LISA 21, la Ligue professionnelle d'improvisation. Donc, hein, on voit bien qu'elles n'ont pas triché. Hein. Sous vos yeux, elles prenaient les papiers et un par un.
Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont sortis. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de regagner assez vite vos places, parce que lorsque les candidats, et par respect pour leur exposé, parce que ce n'est pas simple pour eux, ce serait bien que tout le monde soit en place dans la salle. Donc, asseyez-vous, s'il vous plaît, en haut de la salle. Merci de reprendre place rapidement pour qu'on puisse poursuivre. Il nous reste encore 7 candidats et candidates à découvrir. Donc j'invite, merci de l'applaudir, notre 9e candidate, Chloé Jean. Allez les rappeler s'ils sont dehors hein, pour qu'ils regagnent assez vite leur place. Merci beaucoup. Bonjour Chloé. Bonjour. Chloé, vous avez 26 ans, vous venez d'Ardèche et vous effectuez votre 3e et dernière année de thèse à Reims. Et vous ne devez pas le regretter si j'en crois la description que vous faites de l'ambiance au labo. Vous la décrivez, je cite, comme dans les séries américaines pour adolescents. Oui. Ouais, alors là, il faut nous éclairer. Là, parce que je alors, vois pas. Vous ne méprenez pas, j'adore les séries américaines pour adolescents. Et je dis ça de mon laboratoire parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes doctorants, on est tous proches les uns des autres et on aime beaucoup potiner. Il y a souvent des dramas, des histoires, mais à la fin, ça finit toujours bien et on finit toujours par en parler autour d'un verre ou d'un café. Donc, d'accord. Bon, l'ambiance est bonne malgré tout. Et puis alors, chacun a sur son bureau un petit personnage qu'il représente avec surnom et adjectif qualificatif. Alors, on veut tout savoir, évidemment, Chloé, ici aujourd'hui, votre personnage, votre surnom et l'adjectif qui vous qualifie. C'est quoi ? Alors, mon surnom semble très peu valorisant, c'est la cloche. Je ne sais pas si c'est en rapport avec mes capacités intellectuelles ou juste le diminutif de clochette, mais pour mon surnom, c'est ça, et mon qualificatif, c'est l'OVNI. Donc, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Ça va être compliqué, là, en deux petites minutes, de constater que vous êtes un OVNI. Apparemment, là, a priori, vous ne l'êtes pas, mais bon, on va croire vos camarades de labo. Et vous vous qualifiez aussi de lubique. Ça veut dire quoi, ça, chez vous, lubique ? Ça se traduit comment ? On me qualifie de lubique puisque je collectionne beaucoup de compétences, de hobbies. Je peux passer du jour au lendemain à faire une activité qui n'a absolument rien à voir avec mon caractère. Donc, comme par exemple le bodybuilding. Du jour au lendemain, je me suis levée, je me suis dit, je vais faire une compétition de bodybuilding. J'étais pas sportive. Voilà. Ah oui ? En combien de temps vous vous êtes alignée à une compétition de bodybuilding ? 9 mois. En 9 mois ? Oui. D'accord. Bon. Eh ben, bravo. En tout cas, parallèlement à ça, vous lisez des thrillers psychologiques bien noirs. Et puis donc le bodybuilding qui vous permet alors de ne jamais fatiguer quand vous tenez l'archet. Parce que vous jouez du violon, de l'alto et du violoncelle. Vous dessinez, vous faites de la couture. D'ailleurs, je crois qu'on en a un exemple, le pantalon. Et on peut applaudir quand même les talons de couturière de Chloé. Bravo. Et donc, eh ben, aujourd'hui, vous pourrez ajouter une corde à votre arc. Vous pourrez dire, j'ai fait MT 180. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer ? La gestion du stress. Mine de rien, c'est un exercice qui est très stressant. Parler devant un public varié, savoir vulgariser son sujet. Et donc, par le biais de la formation, j'espère vaincre cet ennemi invisible, mais présent. Bon, bah vous semblez l'avoir bien maîtrisé, votre stress. Le chrono est tout à vous, Chloé. Vous avez 3 minutes. Pour nous parler de performance diagnostique du traceur fluoroestradiol en imagerie TEP dans des modèles précliniques de cancer mammaire ER muté. Et je ne suis pas mécontent de l'avoir dit, celui-là. Quand vous voulez. Je cherche, mais est-ce que je trouve ? Telle est la question. À l'époque, devenir médecin me semblait aussi probable que de monter un meuble IKEA sans mode d'emploi. Pas de stéthoscope pour moi. Mais un microscope me permettant de déchiffrer les mystères du cancer du sein. En France, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. Heureusement, on le traite de mieux en mieux. Mais à quoi je sers, du coup ? Travailler sur un cancer déjà bien traité ? Quelle merveilleuse idée ! Roger, t'as vu où vont nos impôts ? Eh bien, malgré les avancées scientifiques, il reste toujours le plus mortel. Figurez-vous qu'avec certains traitements, les cellules cancéreuses se transforment, résistent, mutantes, quoi. Les traitements deviennent inefficaces. Alors, comment repérer ce changement ? Les méthodes diagnostiques, telles que la biopsie, la mammographie, c'est pas assez précis pour ce que je cherche. Exit les aiguilles longues comme mon bras et les presses purées. J'ai opté pour le PET scan.
C'est un scanner qui nécessite que l'on vous injecte un produit radioactif qui se fixe sur les cellules tumorales. Chaque organe fait son selfie et swipe à droite pour une bonne santé, swipe à gauche pour une soirée chimio. D'accord, tu cherches, mais est-ce que tu trouves ? Patience ! J'ai mis 2 ans à créer des modèles imitant des cancers du sein. Ils sont composés de cellules de cancer du sein, transformées par mes soins et agissent comme de vraies tumeurs. Je les injecte ensuite dans des souris qui développent des tumeurs mutantes. Puis, je leur injecte le produit radioactif et les envoie faire un tour au PET scan. Ainsi, j'obtiens un signal semblable à une tache sombre sur une image de PET, témoignant de la fixation de mon produit radioactif, le 18FES, sur la tumeur. Un signal, une tumeur, pas de signal, pas de tumeur. La grande question, les mutations des tumeurs des souris vont-elles bouleverser la fixation du 18FES et donc le signal ? J'ai plusieurs hypothèses sur le sujet, mais dans tous les cas, je suis convaincue que le 18FES ne va pas se comporter de la même manière face à une tumeur mutée. En même temps, si je ne suis pas convaincue par mes propres recherches... D'accord, mais est-ce que tu trouves là ? Pas encore tout à fait. Je me bats avec le 18FES. Ah, tu veux pas te fixer aux cellules aujourd'hui ? Bon, bah, je vais passer ma journée à analyser des pixels noirs alors. Je jongle entre plusieurs labos, parce que le PET scan, c'est pas une balade au parc. Je passe par une structure à Nancy, les murs y sont en plomb, et je porte un appareil qui mesure la radioactivité que je reçois. C'est pas exactement le stéthoscope, mais... Et ainsi, si je trouve un moyen de détecter les mutations, les médecins pourront adapter le traitement des patientes. Mais qu'ai-je trouvé ? Bien que je ne sois pas médecin, j'ai quand même la blouse blanche en commun et j'ai trouvé que je voulais chercher, même si ça veut parfois dire passer ma journée à discuter avec des souris et des pixels noirs. Merci Chloé, bravo. Je vous demande maintenant d'accueillir notre 10e candidat, Marius Le Tourneau. Bonjour Marius. Bonjour. Marius, vous avez 28 ans, vous êtes originaire du Cher et vous êtes à l'UTT de 3 en 3e année de thèse. Vous vous définissez comme persévérant, curieux et juste. Alors pour les deux premiers termes, on conçoit que ce soit indispensable à des travaux de recherche. Mais le troisième, lui, s'applique plutôt dans quel domaine de votre vie, votre engagement associatif plutôt ? Eh bien oui, c'est ça. C'est surtout dans les divers engagements associatifs que j'ai pu avoir au cours de ma scolarité et après. Et aussi dans les implications, j'étais impliqué en tant qu'élu au conseil scientifique de l'UTT. Et voilà, tout ce qui est concerné. Alors vous faites partie d'une association solidaire et écologique. Qu'est-ce que vous faites et quelle est la raison d'être de cette association ? Eh bien oui, je suis cofondateur de l'association Ulysse, qui a fusionné des associations existantes, une association d'écologie, une association qui est une antenne locale de Ingénieurs sans frontières, et une autre association qui s'appelait Ingénieurs engagés. Et on a fusionné tout ça, et donc on fait par exemple des maraudes pour la collecte de denrées alimentaires pour les personnes sans abri. On a une chronique radio à 3 pour parler de divers sujets en rapport avec l'écologie. On fait des paniers de légumes aussi en format AMAP pour les étudiants. On a pas mal d'activités. Et sur la radio sur laquelle vous faites une chronique, est-ce que vous réussissez à passer votre musique, celle que vous jouez avec votre groupe, parce que vous êtes contrebassiste au sein du groupe L'Hélianthème? C'est quel style de musique ? Eh bien oui, L'Hélianthème, c'est un groupe de chants de marins, à mi-chemin entre la musique celtique et le chant de marin. Donc on a beaucoup, la moitié sont des compositions, l'autre moitié sont des musiques libres de droit anciennes. Et abonnez-vous. Ouais, et on peut vous suivre là ce week-end, parce que Saint-Patrick dimanche, on est en plein dedans, musique celtique, on pourra vous voir quelque part ou pas ? Ah là, on est en train de préparer des enregistrements pour la suite, mais par contre, cet été, c'est sûr, on repartira en tournée. Et c'est plutôt sur la Bretagne qu'on vous voit, je plutôt crois. Plutôt sur la Bretagne en général. Ah, d'accord, donc les vacances en Bretagne, si vous voulez voir Marius et son groupe. En tout cas, vous vous lancerez peut-être finalement dans la musique, après tout, parce que vous ne fermez aucune porte, vous. Hein. Chercheur au CNRS, pourquoi pas ? À mon compte, pourquoi pas ? Dans le privé, pourquoi pas ? Et pourquoi pas même tout plaquer, carrément ? Et oui, pourquoi pas tout plaquer pour... partir vivre à la ferme, créer un lieu collectif ou ouais. Peu importe, je ne me ferme aucune porte.
Va où le vent te mène, petit homme. C'est un peu votre philosophie, ça. C'est ça, il faut savoir saisir ce qui nous arrive. Bon, sauf que là, pour MT-180, c'est un passage obligé, apparemment, pour vous. Une contrainte imposée par l'école doctorale. Pardon. Ah, je ne voudrais pas me mettre à dos l'école doctorale, mais c'est juste moi qui ai mal fait mes devoirs. Pour valider, pour pouvoir soutenir, il faut valider une activité, une participation à une activité de l'école doctorale. Et j'ai mal fait mes devoirs, je m'y suis pris un peu tard, donc j'ai pris le premier truc. Et il s'avère que je ne regrette absolument pas parce que l'équipe qui nous a formés est formidable et très bienveillante. J'ai appris beaucoup de choses et les autres doctorants, je souhaite les saluer. Ils sont formidables aussi. C'est une belle équipe, c'est vrai. On peut applaudir ça. Bravo. Bon, en tout cas, je suis sûr que cette expérience va bien se conclure. Au cours des 3 prochaines minutes, nous vous écoutons, Marius, sur votre sujet de thèse, conception et déploiement de méthodes statistiques de détection d'attaques réseau dans un environnement de microservices hétérogène. Vous lancez le chrono quand vous voulez. Oui. Il y a des gamers dans la salle ? Ça vous est déjà arrivé de perdre une partie à cause d'un jeu qui rame ? Pour les autres, vous avez sûrement déjà eu une visio qui saccade ou une image qui se fige. C'est rageant, hein ? C'est un problème de latence. La latence, c'est le temps que met une information à traverser les files d'attente des équipements réseau qui composent l'Internet. La latence, c'est quand les tuyaux sont bouchés. Ça s'appelle la congestion. Ma thèse garantit et sécurise les services basse latence sur Internet, même en cas d'anomalie ou d'attaque, grâce à une nouvelle technologie de surveillance. Aujourd'hui, on développe des moyens de prévenir les utilisateurs de la fluidité du réseau. Grâce à cela, ils peuvent mieux coopérer pour ajuster leur utilisation du réseau en fonction du degré réel de sévérité de la congestion. Souvenez-vous, c'est quand les tuyaux sont bouchés. Ces avancées permettent d'imaginer de nouveaux usages d'Internet plus proches de la perception humaine. Les exigences de délai peuvent aller de la dizaine de millisecondes pour du contenu vidéo en direct à la centaine de microsecondes pour les interactions entre machines. Mais le problème, c'est que la téléchirurgie, une voiture qui se conduit toute seule, il suffit de peu de choses. Une petite charge de trafic, une dizaine de millisecondes de retard, et paf ! Cela peut être fatal. Contre ça, nous avons besoin de développer des moyens de surveiller le réseau de la manière la plus précise et la plus fine possible, sans ajouter de délai. Car le problème, c'est que si ce travail supplémentaire ajoute de la latence, eh bien, on n'est pas sorti du sable. Pour relever ces défis, je me suis mis tout d'abord dans la peau de l'attaquant, en développant une attaque réseau qui vise à injecter de la latence chez les autres utilisateurs. Puis, j'ai observé et étudié ces impacts grâce à une nouvelle technologie de surveillance non intrusive qui permet d'ajouter des données transportées sans ajouter de délai. Pour la détection, je regarde ce qui se passe quand tout va bien sur le réseau, pour en extraire des comportements généraux. Puis, je soustrais ces comportements généraux des observations que je fais en temps réel. Ça permet de révéler ce qui sort de l'ordinaire en filtrant le bruit de fond qui nous empêche de bien voir ce qui se passe. Et ça marche plutôt bien. Pour valider mes résultats, j'ai lancé une session de jeu sur une plateforme de cloud gaming. Mon attaque est venue perturber le jeu. Et lorsque j'ai lancé la détection, j'ai constaté des temps de réponse de l'ordre de la dizaine de millisecondes, complètement imperceptibles à l'utilisateur. Voilà à quoi ressemble la sécurité des services basse latence sur Internet. On est bien plus un plombier qui cherche à fluidifier la tuyauterie qu'un enquêteur parano qui surveille tout ce qui bouge. Bravo Marius, merci beaucoup. Notre 11e candidate, je vous demande de l'accueillir, c'est Ophélie Petiot. Bonjour Ophélie. Bonjour. Ophélie, vous avez 30 ans, en deuxième année de thèse, vous êtes une bragarde. Fière de l'être. Et fière de l'être, oui, parce que vous venez de Saint-Dizier, donc... Mais vous vivez en Île-de-France, où vous étiez d'ailleurs, avant de commencer votre thèse, professeur d'histoire-géographie. Vous en aviez marre des élèves ? Non, je les adorais. Ouais. J'adore enseigner, mais j'avais besoin peut-être de me stimuler un petit peu plus intellectuellement en tentant cette thèse.
Et vous en avez d'autres, d'ailleurs maintenant aussi plus âgés, puisque vous enseignez en licence et master. Vous aimeriez continuer après la thèse ? J'adorerais, ouais. Mais on verra si c'est possible. Bon, toujours en Île-de-France ou sur vos terres natales ? Ce serait où ? Où ce sera envisageable, ouais. Peut-être ? Bien, en tout cas, votre thèse, on va le voir, elle porte sur l'agroalimentaire. On pourrait se dire c'est normal, au vu de votre passion pour la cuisine. Quel est votre plat signature, comme on dit pour les grands chefs ? Chef Ophélie, ce serait quoi votre plat ? C'est peut-être un peu ambitieux. Je dirais les ravioles, je pense. Les ravioles, c'est-à-dire ? Des ravioles, vous faites avec de la quoi pâte, du comté et du jambon cru. D'accord. Bon. Eh ben, écoutez, lancez une invitation quand vous voulez. Puis, avec ça fait plaisir. Beaucoup peut-être là, non ? Ça va prendre un petit peu de temps. Ouais, mais bon, on est ambitieux ici, optimiste. Et dites-moi, les courses pour vos repas, vous les faites en mob ? Non, non, la mobilette, c'est simplement pour faire des petites balades, l'art de vivre à la Haut-Marnaise, je dirais. Non, les courses, c'est plutôt en voiture. Ouais, qu'est-ce qui vous plaît dans les balades en mobilette ? Peut-être le fait d'avoir l'impression de vivre dans une autre époque, et puis de prendre le temps de regarder les paysages. La mobilette, ça va jusqu'à 40-50 km/h, ouais, donc on a le temps. On a le temps, effectivement, on a le temps. Et est-ce que vous avez prévu cet été d'aller faire un tour au festival Rockabilette ? Mais je l'ai appris très récemment, donc pourquoi pas ? Je vais regarder un petit peu les dates et puis on verra. Et alors, dites-nous pour terminer, on va vous laisser ensuite nous présenter votre sujet. Ma thèse en 180 secondes, ça représente quoi pour vous ? Je crois que ça représente une opportunité et puis peut-être un défi qu'on se lance aussi parce que la thèse, c'est une chance et ma thèse en 180 aussi. Donc, juste pour essayer d'aller jusqu'au bout de la thèse et de profiter pleinement de cette expérience. Eh bien, c'est le moment pour vous nous montrer donc vos domaines de recherche, les entreprises agroalimentaires au défi de la réindustrialisation des territoires et de la souveraineté alimentaire française. Ophélie, vous avez 3 minutes. Merci. En France, un tiers des calories que nous consommons provient d'aliments ultra transformés. Ils sont découpés, cuits, salés ou même avec des additifs. Qui produit ces aliments transformés ? L'industrie agroalimentaire. Elle produit des aliments très variés, partout en France, mais on observe une différence fondamentale entre les entreprises. Leur taille. Sur 100 entreprises agroalimentaires, 98 sont des petites et moyennes entreprises. Elles emploient entre 10 et 250 personnes, mais il en existe aussi de très grandes, pouvant employer 80 000 personnes partout dans le monde. Toutes ces entreprises ont un impact sur la planète. Elles utilisent des ressources en eau, en énergie, rejettent des gaz à effet de serre. Elles doivent donc, sans attendre, produire de manière plus responsable. Mais est-ce réellement possible ? Dans ma thèse, je cherche à établir si les petites et moyennes entreprises ont la capacité de relever le défi de la transition écologique. Dans un contexte de hausse des charges, souvent de plus en plus lourdes, je cherche à savoir si les investissements pour garantir cette transition sont concevables. Pour cela, je travaille de deux manières différentes. D'abord, en tant que géographe, je scrute les investissements privés ou publics des PME et je répertorie les transformations de leurs usines partout en France. Je compare ces données avec celles des grandes entreprises et je réalise des cartes à différentes échelles. Ensuite, je pars à la rencontre des chefs d'entreprise dans les salons professionnels ou au sein même de leurs usines. Bien qu'ils soient parfois difficiles d'accès, je parviens à leur demander comment ils mettent en place la transition écologique, mais aussi ce qu'ils ne font pas et pourquoi. Un véritable travail d'enquête. Quels résultats apparaissent ? Les petites et moyennes entreprises investissent dans la transition dès qu'elles le peuvent, et même d'une multitude de manières. Elles achètent de nouvelles machines qui consomment moins d'eau, passent à des énergies renouvelables, suppriment les emballages plastiques ou même s'approvisionnent en local. Par contre, une réelle inégalité d'accès à la transition écologique se dessine. Géographiquement, cela se perçoit. Dans le Grand Est, 22 projets de décarbonation dans l'industrie agroalimentaire ont été financés via France Relance. Un seul était à destination d'une petite entreprise. Pourquoi ? Parce que les grandes entreprises ont plus de facilité à mettre en place la transition. Elles ont plus de moyens, sont mieux accompagnées, ont parfois même des personnels dédiés. Pour les plus petites, c'est en revanche la double peine. Elles doivent continuer à se maintenir dans un contexte de hausse des charges face à la concurrence. Elles doivent aussi, en parallèle, entrer dans cette course à la transition, alors qu'elles n'en ont pas forcément les moyens et qu'elles ne sont pas subventionnées de la même manière. De tout cela, quel est le risque encouru ? Que toutes ces petites entreprises disparaissent, ne pouvant pas s'adapter. Il est donc essentiel de s'intéresser à leurs difficultés pour que notre alimentation consommée ici ne soit pas produite
au bout du monde. Merci Ophélie, bravo. Allez, tiens, c'est une autre haut-marnesque que nous accueillons maintenant. Je vous demande d'accueillir Angélique Ferrandon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit haut-marnaise. Si, haut-marnaise. Ah oui, vous êtes originaire de Haute-Marne. Par adoption. Par adoption. Bonjour Angélique, bonjour. Vous avez 51 ans. Oui, je suis la plus vieille thésarde de tous les candidats. Vous voulez dire en disant ça qu'on vous le rappelle régulièrement? Non. Mais moi en tout cas j'ai envie de préciser qu'il n'y a pas d'âge pour finalement se lancer dans des travaux de recherche et faire une thèse. Vous êtes personnel de direction dans un lycée troyen et pour vous la thèse c'est un jeu de piste. Oui, parce que quand on commence à chercher, en fait on cherche comme un trésor. Et puis on avance, et il y a d'autres pistes qui s'ouvrent, et il faut en suivre une seule, et on continue comme ça, jusqu'à temps de trouver des choses intéressantes. Bon, vous semblez en tout cas y prendre goût, parce que vous souhaitez poursuivre des activités de recherche ensuite? Oui, alors j'aimerais continuer dans les sciences de l'éducation, notamment pour développer l'orthopédagogie au niveau de la pratique des enseignants, soutenue par le numérique. Donc ce qui suppose aussi de développer la culture numérique et d'étudier les interactions humains-machines. Ah, moi, j'aimerais savoir aussi comment est-ce qu'on concilie une vie familiale, une vie professionnelle et une vie aussi de recherche. Alors, il faut être passionné, il faut être très organisé, avoir beaucoup de volonté, mais ça donne une maman qui est très heureuse et des enfants donc, qui sont très heureux. Combien d'enfants avez-vous? 4. Ah oui? Et puis, pour la petite anecdote, j'ai un petit garçon qui a 9 ans qui me demande toujours d'acheter des carnets de chercheurs. Alors, le secret de la recherche, c'est peut-être le carnet de chercheurs. Ah, c'est ça, d'accord. Oui. Ok, merci. Bon, et puis il faut avoir aussi une famille conciliante également, enfin, dire compréhensive. Ça va. Ouais, ça va, d'accord, parfait. Est-ce que l'engagement que demandent vos travaux, Angélique, ça vous permet quand même de continuer à présider le comité des fêtes de votre village? Alors oui, mais attention, les Loges, c'est un tout petit village d'une centaine de personnes, bien caché dans les bois au Marnais. Donc on fait quoi, 2 soirées par an festives? Et cette année, on se lance dans un vide-grenier le 2 juin, si vous êtes intéressé. Voilà, au village Les Loges, qui se trouve où, en Haute-Marne? Pas très loin de Langres. D'accord. Comment s'est passée la préparation là, pour cet exercice aujourd'hui pour vous? Alors, ça a été des fous rires, une formation. Franchement, on a trouvé une cohésion avec le groupe, comme a dit Marius. On s'est trouvé, un groupe qui s'est trouvé. Et puis on a tous, je pense, développé des compétences pour l'oral et l'oralité aussi. Bien, Angélique, vous qui vous définissez comme quelqu'un de pugnace, patiente et zen, je vous laisse nous parler de stress, d'une certaine façon. Le sujet de votre thèse, les pratiques pédagogiques d'enseignement à distance peuvent-elles être une solution pour la prise en charge des élèves en situation de refus scolaire anxieux? Je vous laisse le chrono, vous le lancez quand vous voulez. Petite annonce, chercheurs recherchent établissement scolaire pour expérimentation sur le RSA. Le RSA, vous connaissez? C'est le refus scolaire anxieux. Ce sont des élèves qui, pour des raisons irrationnelles, refusent d'aller à l'école et s'opposent avec des signes de panique quand on essaye de les y forcer. 1 à 2 élèves par classe sont concernés par ce phénomène. Oui, il y en a de plus en plus. Oui, ce sont des élèves de plus en plus jeunes. Oui, quand on examine les chiffres en milieu scolaire, ça explose. Mais l'école, c'est obligatoire. Et si les élèves ne peuvent pas venir à l'école, il faut quand même maintenir une forme de scolarité. Comme je travaille en milieu scolaire, j'ai pu voir des élèves décrocheurs raccrocher quand toute l'école a basculé en distanciel pendant la pandémie de Covid. Et oui, le Covid n'a pas eu que de mauvais. J'ai donc décidé de faire une thèse pour faire de cette expérience unique un moyen d'aider les élèves en refus scolaire anxieux. Au tout début de mes recherches, pour bien comprendre les besoins et les difficultés des uns et des autres, j'ai mené des entretiens auprès d'élèves qui ont vécu le refus scolaire anxieux, des parents et des enseignants. Les élèves disent « Filez-moi les cours, expliquez-moi un peu, genre comprenez-moi quoi ». Et fichez-moi la paix. Les enseignants, eux, c'est différent, ils disent.
Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas quoi faire. Et puis, s'il veut les cours, il n'a qu'à venir et demander aux autres. Et puis, il y a des enseignants qui ne veulent pas donner les cours. D'autres qui voudraient bien, mais il n'est pas là. Alors, voici où j'en suis pour mon protocole d'accueil aujourd'hui. Je prends un élève qui veut bien venir un peu à l'école. Je négocie un emploi du temps. Il va dans les cours où il y a le moins d'élèves et les cours où il se sent le plus à l'aise. Pour les cours où il ne peut pas aller, il va travailler tranquille dans une salle en distanciel. Tranquille, pour qu'il ne soit pas trop stressé. D'un autre côté, je trouve des enseignants qui veulent bien envoyer les cours avec les explications en ligne et qui suivent la même progression que la classe. Et pour que tout se passe bien, il y a un référent. Une personne qui prend l'élève sous son aile, le guide et le rassure. Il fait le lien entre les enseignants et les parents qui s'inquiètent beaucoup. Pour savoir si mon protocole peut fonctionner, j'ai besoin de l'expérimenter. Et à ce jour, j'ai énormément de difficultés pour trouver des établissements pour essayer. Alors, s'il y a des chefs d'établissement dans la salle, petite annonce, chercheurs recherchent établissements scolaires pour expérimentation sur le RSA. Le RSA, vous connaissez ? C'est le refus scolaire anxieux. Merci Angélique. Et il y a peut-être, Angélique, des directeurs d'établissement qui nous regardent sur la chaîne YouTube de l'URCA, souhaitons-le, et qu'ils aient entendu votre appel. Voilà, n'hésitez pas. On fait suivre les coordonnées d'Angélique si besoin. Allez, les amateurs de microbiologie, ils vont se régaler maintenant. Voici notre 13e candidat. Merci d'accueillir Yasser Dougui. Bonjour Yasser. Bonjour. Chez vous, venez au centre, n'ayez pas peur. Jamais. Vous avez 27 ans. Oui. Et vous avez grandi à Romilly-sur-Seine, tout près de Troyes. Donc, oui. Votre deuxième année de thèse est en cours dans un labo qui abrite, vous dites, une équipe formidable. C'est tout à fait ça. Alors dites-nous, en quoi elle est formidable cette équipe ? Oh ben, y a une très bonne entente. On fait des repas mensuels, bimestriels, et des fois je fais quelques surprises à mes encadrants. Oui. Allez. J'ai pu, par exemple, pour l'anniversaire de mon encadrant, lui déplacer son bureau sur la terrasse. Sur la ? La terrasse. La terrasse, oui. Elle est haute, elle est loin de son bureau ? Ouais. Ouais. Vous pourrez lui demander. Il est là ? Il est Je dans sais la pas. Salle ? Non ? J'espère pas. Ah, d'accord. Vos proches vous qualifient d'hyperactif. On peut le comprendre, effectivement, vu que vous aimez bien vous amuser à porter des bureaux, mais ça se manifeste comment au quotidien ? Oh, bah, par une hyperactivité, pardon, tout simplement. Oui, mais beaucoup, ouais. Tout le temps ? Vous faites tout quoi le temps. Du sport, de la recherche, ça prend énormément de temps. Mmh. Ouais. Bon, en tout cas, ça semble être un atout pour vous parce que vous souhaitez poursuivre sur plusieurs fronts, apparemment. Dans l'idéal, ouais. On ne se ferme aucune porte et puis on verra bien de quoi est fait l'avenir. Alors, dans quelle direction ? Alors ça reste encore à définir. Rien du tout, enfin, je sais pas, enseignement, recherche, innovation. On ne ferme aucune porte. D'accord, tout. Donc, ok, tout. On va parler un peu de cinéma, si vous voulez bien. Le dernier film que vous avez vu, c'est Oppenheimer. Exactement. 7 Oscars, quand même, la semaine dernière, enfin dimanche dernier. Et un homme inspirant pour vous, Oppenheimer ? Bien sûr. En tant que chercheur ? Effectivement. Parce qu'il a mis le doigt sur un point critique, la différence qu'il peut y avoir entre l'innovation et l'utilité que va en faire derrière l'humain. Donc toujours rester très précautionneux quand on avance dans la recherche. D'accord. Est-ce que vous avez vos places pour la Reims Arena mercredi prochain ? Non, malheureusement, j'ai une réunion plus importante. C'est vrai ? Ouais. Vous ne voulez pas passer un coup de fil à Nino qui déplace la réunion ? Non, ça va aller. Non, parce que c'est lui qui s'y produit. Hein, donc, ouais, je préfère Jules, moi. Parce que ça fait pas... Ah, vous préférez Jules ? Ouais. Ah, ok, d'accord. En tout cas, le rap Jules ou Nino, c'est ce que vous mettez en tête de playlist quand vous allez à la salle de sport ? En général, oui. Bon. Et MT180, alors qu'est-ce que ça vous apporte de relever ce défi ? Eh bien, justement, c'est de pouvoir prendre la parole devant un public différent, avec la capacité de pouvoir le vulgariser et de donner peut-être, qui sait, l'envie à d'autres étudiants de suivre le chemin. Bah, on leur souhaite, voilà. Prenez exemple sur Yasser et tous nos autres doctorants, doctorantes aujourd'hui. Yasser, je vous laisse nous présenter le sujet de votre thèse In vitro, modèle in vitro d'infection ostéo-articulaire pour l'étude des biofilms bactériens. Merci. Je vous laisse lancer le chrono.
Vous entendez ? C'est le top départ de ma thèse. Nous sommes en octobre 2022 et le match commence. Ici, en direct, nous assistons à un match palpitant entre les infections bactériennes sur prothèse et la recherche scientifique. Chaque année en France, plus de 100 000 prothèses articulaires sont posées. 2% des patients développent une infection bactérienne, amenant inconfort, douleur, voire le décès du patient. Et dans ce monde impitoyable des infections bactériennes, la bactérie la plus incriminée est l'une des plus redoutables, résistant même aux antibiotiques, la Zinedine Zidane des bactéries, j'ai nommé Staphylococcus aureus. Cette bactérie va se retrouver au niveau de la prothèse et se multiplier, formant ainsi un amas. Et à l'image d'une équipe de foot, chacune va avoir un rôle bien précis. Celle en dormance, sur le banc de touche. D'autres produisent une matrice de protection, c'est la défense. D'autres enfin sécrètent des molécules nuisibles pour le patient. Là, c'est l'attaque. Cette équipe redoutable s'appelle le biofilm. Malheureusement, aujourd'hui, aucun modèle ne permet de les étudier correctement dans le contexte osseux. C'est là que j'entre en jeu. Pendant plusieurs mois, ma mission était de reproduire le contexte ostéo-articulaire en modèle réduit, une sorte de baby-foot. Pour mimer ma prothèse, j'ai pris des disques avec la même composition. Pour le contexte osseux, un savant mélange, sucre, acide aminé et surtout une bonne dose de magnésium. Enfin, dans l'air, le niveau d'oxygène est de 21%. J'ai dû le réduire à seulement 2% pour mon modèle. Chaque détail compte car il influence le comportement des bactéries. Maintenant que mon modèle est validé, entrons sur le terrain. Chaque semaine, je l'utilise comme un centre d'entraînement. J'enfile mes gants, je m'arme de pipettes et je joue avec mes bactéries. Un seul but, définir mes adversaires. Croissance, conformation, adhérence. Je les observe, je les analyse. Mais dans quel but, me direz-vous ? Eh bien, celui d'établir un centre de recrutement efficace. Nos anciens attaquants, les antibiotiques, commencent à tirer la langue et s'essoufflent. Et en bon coach, qui sait quand adapter sa stratégie, il est temps de laisser place à de jeunes pousses prometteuses, grâce à des solutions de traitement que mon modèle permettra de sélectionner. Chaque avancée est un but marqué dans un match où la récompense est la survie de nos patients. Alors, pour nos futurs porteurs de prothèses, parents et grands-parents, j'ai décidé de prendre part à ce match palpitant. J'enfile ma blouse. En chercheur, je me mute. Pour nos aînés, je lutte. Avec les bactéries, je bataille. À la fin de ma thèse, je trouverai la faille. Bravo Yasser, merci. Merci Yasser, bravo. Nous allons maintenant, s'il vous plaît, accueillir notre 14e candidate, Fadilat Lili. Bonjour Fadila. Bonjour. Fadila, vous avez 27 ans et vous êtes originaire de Tunisie, à Sidi Bouzid, et vous poursuivez votre troisième année de thèse au sein d'une équipe de labo que vous décrivez comme agréable et avec qui vous faites des activités pour déstresser. C'est très stressant l'activité de recherche ? Pas de recherche exactement. Parlez bien, mais on ne vous entend pas bien. Pas de recherche exactement, mais en fait, il faut toujours déstresser pour avoir des bons résultats. Et je fais du fitness comme le cardio training et aussi je fais des balades dans Troyes. Troyes est très belle et ça reste toujours belle. Alors vous qui venez de Tunisie, la vie en France, vous la trouvez stressante ? Non, c'est pas ça, mais en fait, lorsque tu vis seul, ça toujours reste quand même un peu très difficile. Bon, vous êtes discipliné, c'est comme ça que vous vous décrivez, organisé et souriante. Et je suis sûr que ce dernier trait de caractère est très utile pour votre engagement associatif. Racontez-nous ce que vous faites et dans quelle association vous œuvrez. Je fais partie de l'association de la lutte contre l'isolement des personnes âgées dans Troyes. En fait, on fait des visites organisées pour les personnes âgées, pour partager des sentiments et partager des moments conviviaux. Et puis vous faites aussi, vous avez une passion, c'est le design graphique. Oui, je suis douée du design graphique. En fait, j'aime toujours prendre des photographies et après tourner ces éléments graphiques à des posters, des images, de l'art 2D et aussi de l'art 3D.
3D. D'accord. Donc pour le, par exemple, le prochain concert de Marius avec son groupe, vous pouvez lui dessiner sa prochaine affiche de concert ? C'est possible ? Peut-être. Ouais. Bon, apparemment, il y a une bonne cohésion au sein du groupe. Ça peut peut-être se négocier, Marius. Je vous laisse voir ça. Vous designez également des jeux vidéo. Alors, on n'en a pas parlé parce que vous avez fait un petit séjour en Finlande pour ça. Oui, ça, ça fait partie de mon parcours. J'ai fait partie d'un projet international dans Turku Lab à Finlande pour faire le design graphique des jeux sérieux. Et votre projet professionnel après la thèse, quel est-il ? Je vise à chercher un poste dans la recherche et développement. Dans une entreprise ? Oui, pourquoi pas, une entreprise ou bien la recherche généralement, postdoc. Pour le moment, je suis ouverte. Puis pour le moment, c'est ma thèse en 180 secondes. Donc, j'imagine que vous avez d'autres choses à penser, effectivement. Alors, on vous laisse nous présenter votre travail. Un framework sécurisé et intelligent pour la gestion des drones. Fadila, c'est quand vous voulez. Ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. 1000 drones scintillent dans le ciel, tels des étoiles. Le public se rassemble pour assister à ce spectacle. Cependant, une menace inattendue plane au-dessus. La défaillance imminente d'un drone qui perturbe l'ensemble du spectacle. Le drone entre en collision avec d'autres, menaçant de plonger vers la foule. C'est le chaos. Le public se fuit dans tous les sens. Cependant, les responsables tentent de désactiver les autres drones en vol pour éviter tout risque supplémentaire. L'origine du problème des drones reste incertaine. Collision, défaillance technique, cyberattaque terroriste. Mais contrôler la situation en 100% reste difficile, car les analyses actuelles ne permettent pas une compréhension en temps réel. Ma thèse prend le devant de la scène pour proposer la solution. J'apporte un système innovant qui agit de manière autonome en utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique non supervisé. Ce système vise à détecter simultanément les attaques et les défaillances. Les phases vont de la modélisation, l'apprentissage, et passons vers la mise en œuvre dans le monde réel pour renforcer la sécurité des drones. C'est comme avoir un assistant intelligent veillant sur les drones, réagissant rapidement grâce à un centre spécialisé dans la gestion de la sécurité aérienne. Ma thèse ne se limite pas là. Elle s'étend au domaine des jumeaux numériques. Ce sont des doubles virtuels des drones. Les jumeaux numériques tendent à avoir des analyses en temps réel, elle détecte les défaillances et réagit immédiatement. Elle aussi, ma thèse travaille avec les centres de sécurité opérationnels, ou SOC. Les centres de sécurité opérationnels agissent de manière continue et en temps réel. Ils répondent immédiatement aux problèmes des drones à l'aide des dernières solutions technologiques. En conclusion, le système proposé par ma thèse est comme un gardien attentif prêt à intervenir dès qu'une anomalie est détectée. Assurer une réponse rapide et efficace aux situations d'urgence, contribuant ainsi à rendre l'utilisation des drones plus sûre et plus sécurisée. Ma thèse représente plus qu'une innovation technologique et démontre sa valeur en temps réel. J'assure également la qualité des services et la qualité de l'expérience de l'utilisateur. Pour un événement sécurisé, pour la sécurité des individus et finalement pour une technologie aérienne plus rassurante. Bravo Fadila, merci beaucoup. Eh bien, il est temps d'accueillir notre dernière candidate aujourd'hui pour cette finale territoriale ma thèse en 180 secondes. 15e et dernière candidate, Élodie Géas. Bonjour Élodie. Bonjour Nicolas. Vous avez 48 ans ? Non, jamais de la vie. Non, je vous ai dit non. Vous n'avez pas 48 ans ? Non. Et donc, ça y est, c'est bouclé pour vous. Oui. En tout cas, Élodie, vous n'êtes plus doctorante, mais non. Vous êtes docteur. Vous avez soutenu votre thèse en novembre dernier. Alors, soutenir une thèse, c'est un peu la ligne d'arrivée d'un marathon de 3 ans. Donc, et
plus 4 5 quand on travaille 5. En même temps et en sciences humaines et sociales, c'est la durée moyenne finalement. Ok, et donc ça consiste en quoi finalement ? Expliquez à nos jeunes amis qui sont là, soutenir une thèse, quelle est cette épreuve de soutenance de thèse ? Alors une soutenance de thèse consiste à présenter le travail de recherche qu'on a effectué donc pendant 3, 4, 5 ans, voire plus. En fonction des disciplines, ça dure entre 20 et 45 minutes. Donc moi c'était 20 minutes, ce qui est quand même beaucoup plus long que 180 secondes, n'est-ce pas ? Et après, la soutenance dans l'ensemble des membres du jury prend la parole pendant 20 à 30 minutes et c'est un échange en fait avec le candidat ou la candidate pour éclaircir certains points du travail de thèse qui nécessite des éclaircissements. Et lors de votre soutenance, est-ce qu'on peut vous refuser votre thèse, dire bah non, finalement, on ne vous donne pas le titre de docteur ? Logiquement non, parce que plusieurs mois avant, deux rapporteurs sont désignés pour évaluer justement la soutenabilité de la thèse. Est-ce qu'elle correspond aux critères académiques de qualité ? Donc, 15 jours, 3 semaines avant, on sait qu'on a le droit de soutenir et normalement, quand on soutient, c'est qu'on est docteur. Très bien. Voilà. Donc c'est parfait. Vous l'avez maintenant et ça s'est terminé par une belle fête, évidemment. Tout à fait. Oui. Oui, oui. Hein, une fête saumon fumé frites. Saumon fumé frites maison. C'était un petit peu original comme menu, mais ça a bien fonctionné. Très bien. Vous êtes formatrice à l'INSPE aussi. Oui. Vous formez donc les futurs profs. Et est-ce que votre passion pour le slam, que vous pratiquez depuis 2010, hein, elle vous sert justement lors de vos cours ? Finalement, j'étais enseignante avant de commencer le slam, mais je pense que le slam m'a aidée à devenir une meilleure enseignante parce que quand on enseigne, on est toujours quelque part en représentation devant un public, même si c'est un public de jeunes. C'est toujours une forme de transmission et de représentation qui me sert dans la vie de tous les jours, oui, tout à fait. Alors, on évoquait votre vie familiale tout à l'heure. C'est vrai qu'on a du mal à se représenter combien il faut être déterminé, que vous vous déterminez d'ailleurs comme ça, vous, hein, déterminez, oui, oui. Vous qualifiez ainsi, mener de front vie personnelle, familiale, professionnelle, les travaux de recherche, les soirées slam, j'imagine aussi, comment ça s'organise ? Alors les soirées slam ont été un petit peu mises de côté pendant cette période, mais je suis très heureuse de pouvoir reprendre cette activité fait beaucoup de bien. Oui, et ben quand est-ce qu'on vous verra bientôt slammer peut-être ? Eh bien, au Cabasson, le premier mardi de chaque mois, sur la scène de Slam Tribu, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Bon, alors amusez-vous, Élodie. La scène, là, elle est à vous pour, cette fois-ci, nous présenter votre sujet de thèse. L'intervention formative comme outil de développement de l'activité d'animation d'atelier de slam de poésie pour des lycéens préparant un concours d'éloquence. Élodie, le chrono est à vous. Le meilleur poète ne gagne jamais. C'est ce qu'on dit sur les scènes slam. Alors, je vous vois venir, hein, vous pensez à Grand Corps Malade, ok, mais non. Le slam, c'est déclamer devant un public un texte qu'on a écrit soi-même, sans accompagnement musical et sans accessoires, en moins de 180 secondes. Ça vous rappelle quelque chose ? Les organisateurs de concours d'éloquence qui visent à plaire, émouvoir, convaincre, sollicitent régulièrement des artistes slameurs pour former des élèves éloquents. Dans ma thèse, j'ai accompagné un concours d'éloquence pendant 2 ans. La préparation était faite sous la forme d'ateliers de slam animés par un slameur, c'est quand même mieux, accompagné d'un enseignant. Slam et éloquence vivaient en bonne intelligence. Slam, implanté en France depuis plus de 2 décennies, s'était trouvé ravi de rencontrer éloquence aux origines beaucoup plus antiques. Mais slam et éloquence commençaient à ne plus s'accorder. Quand slam proclamait créativité et poésie, éloquence rétorquait rhétorique et argumentation. Note de cœur contre barème d'évaluation, le divorce était presque prononcé. Au début, j'ai analysé les séances d'atelier de slam que j'ai filmées. J'ai constaté qu'en réalité, le slameur, l'enseignant et les lycéens n'avaient pas les mêmes objectifs. Liberté d'expression et créativité pour le slameur, aisance à l'oral pour l'enseignant et partage de récits de soi parfois douloureux, mais qu'ils ont besoin d'exprimer pour les lycéens. Créativité, efficacité, solidarité. Grâce aux entretiens que j'ai menés, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. La seconde année, la compétition se corse avec 3 lycées en lice. Ils ne sont d'accord ni sur la préparation, ni sur les règles d'évaluation, ni sur les vainqueurs. Les stars du lycée ont perdu en slamant. Et là, déception, désespoir et désir de revanche. Comme le dit l'une d'entre elles, il aurait peut-être fallu qu'on ait tous la même définition de l'éloquence.
La différence entre slam et éloquence renvoie à la contradiction entre valeur d'usage et valeur d'échange. Le slam a une valeur d'usage, fait du bien aux gens, tandis que l'éloquence, avec ses règles de discours normées et structurées, a une valeur d'échange. Elle peut permettre d'obtenir des bonnes notes ou un emploi. L'objectif de mon travail n'est pas de donner un modèle de fonctionnement ou des bonnes pratiques, mais de faire reprendre le contrôle aux enseignants, slameurs et lycéens sur ce qu'on leur demande de faire par rapport à ce qu'eux veulent. Si le meilleur poète ne gagne jamais, pourquoi former les élèves à un concours d'éloquence en leur faisant faire du slam ? Je m'interroge maintenant sur la manière dont le slam peut transformer l'école. Est-ce qu'on peut faire apprendre les élèves autrement en s'amusant, en transgressant les règles ? Le meilleur poète ne gagne jamais, oui, mais la poésie sauvera le monde. Bravo Élodie, merci beaucoup. Et bien voilà, c'est terminé. Nos 15 candidats sont passés. Je crois que vous pouvez vraiment leur offrir un tonnerre d'applaudissements. Bravo à eux. Et on aura l'occasion de les célébrer à nouveau tout à l'heure, parce que maintenant qu'ils nous ont présenté leurs travaux de recherche, vous avez pu constater quand même qu'ils explorent des domaines très pointus. Nous allons donc maintenant laisser le jury le temps de délibérer afin d'établir le palmarès. Mesdames, messieurs les jurés, vous disposez de 30 minutes. MT 180, c'est ma thèse en 180 secondes, et vous, ce sera MD en 1800, hein, ce sera ma délibération en 1800 secondes pour vous et pas une de plus. Alors, s'il vous plaît, votre attention, vous qui êtes dans la salle, merci de... Je vais vous parler des modalités de vote maintenant, s'il vous plaît. Vous allez donc voter pour votre candidat préféré. Il y a 15 urnes correspondant à chacun des candidats à la sortie de l'amphi. Donc on vous a remis un jeton à votre arrivée. Donc pour voter, il suffit de mettre le jeton dans l'urne correspondant à votre candidat préféré. Alors avant de vous lever, pour que ce ne soit pas n'importe quoi dans l'amphi, je vais demander aux lycéens d'abord du lycée Arago. Attendez, j'ai pas fini. Vous allez faire le tour par derrière de l'amphi, redescendre de ce côté-ci et sortir par la sortie qui est en bas de l'amphi, sur votre droite, s'il vous plaît. Et vous trouverez les urnes ensuite, de façon à faire un parcours, et qu'on ne se croise pas, et que vous ne veniez pas non plus sur la scène parce qu'il y a du matériel. Donc vous montez par là-haut. Ensuite, les Troyens, vous ferez la même chose, une fois que les Rémois seront revenus. Et ensuite, le restant de la salle pourra aller voter. Ensuite, après, on dispose d'une demi-heure, donc on a largement le temps de procéder à tout cela. Quant à vous qui nous suivez sur YouTube, on met en pause le streaming et puis on se retrouve dans quelques minutes pour décerner les prix de NT 180 2024. À tout de suite. Thank you.
compte. Thank you.
En technique de vente. Ah bah alors donc ça va? C'était ouais. Une dizaine d'années, ils se sont croisés. J'avais retrouvé ce qui vient d'un grand avec nous qui s'appelait Pascal Houplin, toujours avec un œil. Lui, il est parti du côté de Saint-Malo, du côté de Rennes, et un jour, je l'ai retrouvé, mais vraiment par hasard, de Reims. J'ai retrouvé Pascal. C'est les seuls, avec toi, que je vois là. Et ça fait 30. Ah ouais, c'est 80. J'ai redonné à Julie leader, moi, parce que c'était pas mis dans. Bon nom et de famille et mon frère.
Ça fait plaisir. À bientôt. Plaisir. Ouais,
Mesdames, messieurs, c'est une question de minutes avant la révélation du palmarès. Donc je vais vous demander tranquillement de regagner votre place et puis on va procéder, oui, ensuite à la remise des prix. Il va m'en falloir un pour... Bien, nous allons pouvoir révéler donc nos gagnants de cette édition 2024 de ma thèse en 180 secondes. Le jury est de retour, mais avant de remettre les prix, alors je vois que les lycéens nous ont quittés, il est un petit peu tard et puis il faut regagner 3 également, le week-end commence un petit peu plus tôt pour eux du coup. Mais avant de remettre les prix, je voudrais que, et je pense que l'ensemble des doctorants et qui sont passés aujourd'hui seront d'accord avec moi, saluer l'équipe de coachs qui vous ont accompagnés. Vraiment. Qui ont accompli un travail extraordinaire avec eux, Boyana, Isor, Geoffroy et Rodolphe. Est-ce que vous pouvez vous lever? Alors, je ne sais pas où est Rodolphe est là, Isor est là. Rodolphe, il est trop timide, il a dû se cacher. Ah, il est là-bas, pardon Rodolphe. Voilà. Et Boyana s'excuse, elle n'a pas pu rester, elle avait un train à prendre. Voilà, donc vraiment bravo parce que tous ces coachs ont accompagné les doctorants sur soit des aspects synthétiques de leur présentation scientifique, leur présence sur scène, la mise en scène, comment voilà, se mouvoir, parler, poser sa voix. Bref, je pense que vous avez tous eu beaucoup de conseils très utiles pour mener à bien cette expérience. Alors je rappelle qu'au total, donc 4 prix hein, seront remis aux doctorantes et doctorants. À l'issue de cette finale aussi, les premiers prix du jury et les deuxièmes prix, et le premier prix pardon, du public, on m'entend toujours ? Oui. Représenteront le réseau d'établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche de Champagne-Ardenne lors de la demi-finale nationale qui aura lieu les 29 et 30 mars. Je vais inviter le jury à me rejoindre sur scène, si vous voulez bien, mesdames, messieurs, pour remettre les prix. Qui va annoncer les gagnants? C'est vous, Julien. Très bien. Et je vais demain... Alors, venez. Mettez-vous au centre, approchez-vous. Voilà, approchez-vous un petit peu aussi de l'avant-scène. Et puis, je vais demander à Marianne Citron, directrice de la Fondation de l'URCA, et Thibaut Vigier, également directeur de la Fondation UTT, de me rejoindre pour remettre donc, le premier prix que nous allons remettre aujourd'hui. Il s'agit du troisième prix du jury. Et Thibaut Vigier, je vous laisse le soin peut-être de nous dire un petit mot pour remettre ce prix. Alors déjà, je voulais féliciter les 15 participants. On a passé 1 heure et demie, génial, grâce à vous, c'était super cool, donc vraiment bravo, déjà.
J'avais une petite pensée particulière pour le doctorant de l'UTT. Là, vous étiez là aujourd'hui. Maintenant, je compte sur vous pour emmener des copains l'année prochaine, pour qu'il y ait encore plus de candidats de l'UTT, pour qu'on soit à parité avec l'URCA. Non, je déconne. Mais ça serait bien de travailler chez nous, parce que c'est un très bel exercice. Les fondations qu'on représente avec Marianne, ce sont des traits d'union entre les entreprises de monde socio-économique et l'université. L'université, c'est de la licence au master jusqu'au doctorat et pour nous des ingénieurs. Donc c'est très important de montrer qu'il y a beaucoup de liens. Et ce que vous avez fait aujourd'hui, ce travail pédagogique avant tout, parce qu'expliquer ce qu'on fait pendant 3 ans en 3 minutes, c'est un vrai travail pédagogique. Et c'est ce qui prouve que nos écoles peuvent être des vrais rebonds pour le monde réel, comme on dit souvent. Donc encore bravo et puis félicitations aux vainqueurs de notre prix en tout cas. Alors nous allons révéler le troisième prix. Julien, je vous laisse nous dire qui est l'heureuse ou l'heureux gagnant de ce troisième prix du jury. Et donc, c'est Lucille Capitaine. Bravo Lucille. Alors vous pouvez... Merci beaucoup, j'ai rien préparé, mais merci aux formateurs et puis merci aux candidats, on a passé un super moment, donc merci à tous. Bravo Lucille. On va peut-être, est-ce qu'il y a des... Voilà, on prend 2 petites secondes pour faire une photo, rapprochez-vous. Thibaut et Marianne. Et voilà Lucille, donc capitaine, notre troisième prix du jury. Bravo, merci beaucoup. Merci Marianne Citron et Thibaut Vigier. Je vous laisse regagner votre place et j'invite maintenant Fatah Chebli, le président de la MGEN de la Marne et directeur adjooint de l'IUT de Reims, Chalon-Charleville et responsable du service formation continue et alternance pour remettre le deuxième prix du jury. Merci d'accueillir Fatah Chebli. Je vais vous donner un micro, monsieur. Tenez. Merci. Alors, on va vous remettre le chèque et puis le deuxième prix du jury. Alors, vous voulez que je vous le tienne, peut-être ? C'est 500 euros, ça va, je peux les porter, pas de problème. Victoria. Je vais dire quelques mots. Oui, je pensais que vous alliez le faire, mais très bien. Bon. Allez. Victoria, au nom de la MGEN et de la CASDEN, donc je suis très heureux de vous remettre ce chèque. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux structures. CASDEN. Bon, j'ai bien fait de venir. Alors, ces 500 euros, vous pouvez les déposer auprès de la CASDEN, mais surtout, la CASDEN propose des prêts pour les doctorants. Et puis la MGEN, la Mutuelle Générale d'Éducation Nationale, bon, elle va s'occuper de votre santé. Vous pouvez nous faire confiance, donc vous allez faire des recherches, nous on va s'occuper de tout, jusqu'à la retraite, même après, on peut s'en charger, donc bravo, donc longue vie à vous. Ouais. Vous voulez ajouter Moi non plus, je n'ai rien préparé, mais je voulais remercier les encadrants qui, vraiment, sans qui ça n'aurait pas été possible du tout. Ils nous ont vraiment énormément apporté pendant ces presque 3 mois. Et je voulais aussi remercier tous les super amis qu'on s'est fait et toute l'équipe des doctorants, parce que c'était vraiment super. Victoria, ouais. On a oublié le trophée quand même. Non, c'est pas rien. Bravo, merci beaucoup. Merci Fatah Chebli. Alors maintenant il est temps de remettre le prix du public avant de révéler le premier prix du jury. Vous avez voté dans cette salle. On va donc découvrir qui
est l'heureuse élue. Et je demande à Alem Arfaoui de me rejoindre sur scène, vice-présidente déléguée en charge de l'URCA et les établissements associés. Si vous voulez nous dire un petit mot. Félicitations à vous tous parce que, et toutes, parce que vous avez fait un super travail. Vous avez réussi à nous amener à travers le monde, les fibres, les atomes. Donc, merci à vous. Donc, c'était vraiment très enrichissant. Je souhaite saluer pas seulement les membres donc, du jury, les formateurs, mais aussi vos chefs, vos directeurs, directrices donc, de recherche qui vous ont amené vraiment vers ce progrès. Et on va dire qu'on est ravis de partager avec vous ces moments-là et on est fiers aussi que vous allez porter par la suite les flambeaux, le flambeau, hein, pour continuer aussi et de vrai pour les autres, pour les jeunes. Et d'ailleurs, il y a des étudiants à moi, donc vous devez vous inscrire en thèse, hein, donc n'oubliez pas. Voilà, bravo à tous. Alors, à qui le public attribue-t-il son prix ? Alors, le prix, c'est pour... Pour Yasser Dougui. Ah, trop de choses. Ah, merci. Oui, gardez le chèque. Moi, j'aimerais remercier, pareil, mes encadrants, l'équipe avec laquelle on a travaillé pendant quasiment 3 mois, mes encadrants aussi de thèse, et j'aimerais m'excuser auprès de mes collègues de bureau, mes parents et tous ceux à qui j'ai fait du bruit dans les oreilles pendant ces 3 mois à répéter mon texte par cœur. Désolé, mais ça valait quand même ça. Donc voilà. Merci à tous. Merci. Et il est temps maintenant de remettre le premier prix du jury d'une valeur de 1000 euros, le prix du Grand Reims, représenté par Patricia Durin, si vous voulez bien me rejoindre, Madame Durin, maire de Léry et vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche du Grand Reims. Alors tout d'abord, je voudrais tous vous féliciter parce que vous avez vraiment été très bons et vous donnez envie de faire des thèses, de travailler. Alors, tout ce que je souhaite, c'est que cette envie soit communiquée aux étudiants et qu'il y ait beaucoup de thésards et beaucoup de recherches. Et c'est pour ça que nous, le Grand Reims, on est là pour vous aider et pour vous accompagner dans vos recherches. Alors, bravo à tous, merci au jury, merci à vos encadrants et surtout, continuez sur ce chemin-là, on a besoin de vous. Merci, Madame Léry. Je vous laisse remettre le chèque et annoncer donc le lauréat de ce premier prix ou la lauréate. Et du coup, c'était un choix très difficile hein, parce que c'était assez tumultueux de choisir les candidats qui ont gagné des prix cette année. Et du coup, le premier prix du jury est décerné à Yasser Dougui. Alors, si je peux ajouter un petit mot, je suis d'autant plus fière que vous ayez ce prix que tous les ans, nous accompagnons des allocations doctorales et le Grand Reims vous a accompagné. Donc, je suis vraiment très heureuse que vous ayez ce prix. Attends. Je vais réitérer ce que j'ai dit. Je m'excuse auprès de tout le monde pour cette répétition. Non, vraiment, je suis vraiment... surpris, parce que pour moi aujourd'hui on a tous fait des prestations extraordinaires, on a tous été à notre prime et je suis un peu ému aussi par ces récompenses et voilà, je tenais encore à tous vous remercier d'être là aujourd'hui et de nous avoir donné l'opportunité de nous présenter sur cette scène et pouvoir un peu vous partager un peu de notre quotidien de doctorant et j'espère que ça inspirera d'autres carrières derrière. Merci à tous. Bravo Yasser, bravo, bravo. Donc, pour préciser les choses, Yasser représentera l'URCA et les établissements de recherche associés à la demi-finale nationale qui aura lieu les 29 et 30 mars. Mais étant donné qu'Yasser, vous avez eu à la fois le prix du public et le premier prix du jury,
ces deux prix, logiquement, vont en demi-finale. Il va falloir quand même que vous n'y alliez pas tout seul. On va, du coup, envoyer le deuxième prix en finale, en demi-finale nationale. Donc, Victoria. Victoria, vous aurez la chance donc d'aller disputer la demi-finale nationale. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, on va faire quelques photos ensemble, parce que donc on a terminé, on a la totalité du palmarès. J'aimerais qu'on fasse une photo déjà de tous les lauréats aujourd'hui avec le jury, s'il vous plaît, venez nous rejoindre. Avec les prix, oui, ce serait bien aussi. Oui, après. Et voilà donc les trois lauréats cette année de ma thèse en 180 secondes. Bravo. Je voudrais que tous les candidats viennent rejoindre aussi. On va faire une belle photo de famille là, de cette édition de 2024 parce que c'était un super groupe, on a vraiment senti beaucoup de cohésion, vous entendiez très très bien. Et puis, ah bah la Casden a des cadeaux pour tout le monde, c'est pas... Et la MGEN également, parfait. Alors, on voulait faire d'abord une photo comme ça. Attendez, avant de distribuer les cadeaux, madame, s'il vous plaît. On va... Attendez, juste une seconde. On va faire une photo comme ça, et après avec les partenaires et la... c'est pas grave, on improvise, tout va bien. Hein. Ouh, c'est rien du tout. Voilà, et donc les photos, bah allez-y. Super, bravo. Alors je voudrais maintenant que les coachs aussi viennent rejoindre tout le groupe, s'il vous plaît. Allez, Nina également, qui a coordonné pour les écoles doctorales. Et tous les membres de la communication, s'ils sont là. Je ne sais pas s'ils peuvent venir, parce qu'ils sont quand même en régie. Alors, est-ce que... ou ailleurs. On va faire une photo comme ça. Et puis, je vais demander ensuite à tout le monde de rejoindre la communication. Et puis vous, mesdames, messieurs, les partenaires, si vous voulez bien... allez les rejoindre également. Oui, vous pouvez, pardon. Ah, on décompose les choses, voilà, comme ça. Et puis, monsieur le Premier vice-président, Christophe Clément, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, vous joindre à eux et tous ceux qui ont remis aussi des prix aujourd'hui? Marianne Citron, Thibaut Vigier. Nicolas aussi. Après. Merci. Allez, on se positionne pour faire une jolie photo, s'il vous plaît. Et puis ensuite, on libérera tout le monde. Allez, tous ceux qui ont participé sur scène ou à l'organisation de cette thèse en 180 secondes. Alors, je vais me mettre aussi là. Allez, voilà. Ma thèse en 180 secondes, 2024. Voilà, tout le monde est là. Bravo, félicitations. Et alors, je voudrais pour terminer, remercier le réseau des écoles supérieures de recherche de Champagne-Ardenne, la CASDEN, la MGEN, le Grand Reims, le Fab Lab Lésine, les fondations URCA et UTT, l'équipe technique du pôle audiovisuel de l'URCA également, qui a pu assurer la retransmission et permettre aussi que vous puissiez nous entendre correctement, les coachs, les directeurs de thèse, le service administratif, Nina Bogataya. Bravo pour avoir coordonné tout ça. Marie-Auclair aussi au service communication pour la production de cet événement.
J'espère que comme nous, vous avez passé un bon moment. On vous souhaite une bonne soirée et un très bon week-end. Au revoir.